playing this shit. Ooh, round one nonsense, get old, so I'ma spread this bitch. Ooh, they had the candle light, lighting it up, nigga, hand it back, get it. Ooh, I'm on a PJ, lining it up, backwood from the sticky. Ooh, I'm trying to tune that Drake or London, and it's extended. Ooh, they gotta stretch this nigga out, we gon' die for this shit. Ooh, yeah, I ride for my niggas, I lie my bitch. Ooh, we some poor high class niggas, maybe we rich. Yeah, I was at the band, though, got a penthouse for a closet. Like a shadow, lay on my neck, my bitch. Ooh, I got things told that talk different languages. Ooh, got promethazine in my blood and Percocet. Throw all the dollars for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out of Spain to be in my domain, automata, bitch. Ooh, dropped $3 on the rain, caught a gun truck, little bitch. Ooh, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. That's by the time I'm on the screen. I go tremendo for new fettuccine. Ah, fendo, parrot. So, you know, I'm gonna talk to you. Et bonsoir à toutes et à tous, désolé du retard évidemment, on n'avait quand même pas commencé un live à l'heure, et puis de toute façon, à quelle heure, on n'avait rien décidé. Salut Nico. Salut Martin, alors pour la petite anecdote, on était coincé dans le tram, parce qu'il n'y a plus de couvre-feu. Bon, l'endroit va être tenu secret pour des soucis de sécurité, mais voilà, bon, il y a encore le tram, d'ailleurs on vient de l'entendre, shout out, comme on dit. Marty, je te laisse la parole sur... Alors déjà... Bienvenue à tous ceux qui sont dans le chat, c'est le numéro 0, le numéro du fun, le numéro de l'expérience, et ça nous tient, voilà, bon c'est un peu l'instant émotion, on peut commencer par l'instant émotion, mais ça nous tient vraiment à cœur de vous présenter ce live ce soir, et ceux qui ont la ref se reconnaîtront, mais le live pour les abos, hein. Alors donc, le live, installez-vous tranquillement, installez-vous tranquillement. Une petite cigarette, petit plaid, petite cigarette. On prend un petit verre à boire et on se laisse aller. Alors de quoi on va parler un peu brièvement, Nicolas, ce soir? Alors dans ce numéro, donc le live numéro 0, c'est un petit peu la financiarisation des mèmes, de l'art contemporain sous stéroïdes, comme on dit. Voilà. Tout ce qui est, bon, on vous passe un petit peu les détails, on va essayer de garder un petit peu de mystère pour l'instant, mais ça parle, voilà, d'internet, comment les choses vont trop vite, comment on essaye de les rattraper, et on essaye de vous les représenter ici. Donc, on peut commencer sur, donc je sais pas si dans le chat, vous pouvez dire oui ou non, hein, on est là, de toute façon, nous on a les yeux sur le chat, on est rivés sur le chat, là on est tout seul dans notre chambre, mais... Faut savoir n'hésitez surtout pas à interagir avec nous, hein, on vous écoute. On va prendre notre temps, on est là voilà pour une petite heure tranquille. Bon on a dû débrancher le Minitel pour des questions de réseau, mais le chat est libre. Ah ouais, il y a le truc qui demande une question de... Alors des conseils pour Bigraph du NFT. Attendez, là on fait quand même l'intro. Non mais oui, non, mais on va y arriver. C'est typiquement le genre de questions qui... Mais merci Ju underscore ma. Ouais. Merci pour la question, je pense que t'es bien renseigné. J'ai vu que t'as trouvé la bonne catégorie sur Twitch. Bienvenue sur la chaîne en tout cas. Bienvenue en tout cas. Comment Bigraph du NFT? Ben, c'est une question qui... Déjà, on va pas résoudre ce soir entièrement évidemment, mais on va l'évoquer, on va la caresser. D'autres questions aussi peut-être si tu veux... Moi je reviens juste sur le mot Bigraph. C'est un peu de bi, un peu de crave. Ouais. En tout cas, ça part dans le... Il y a Krav, moi Krav, c'est Krav Maga, tu vois. Mais Bi, entre nous, on l'aime l'appeler Bibi, mais c'est... bon. Bibi, La vidéo n'est pas sponsorisée, mais c'est notre broker favori, on aura le temps d'y revenir. On aura le temps d'y revenir. Alors, tu dis la vidéo n'est pas sponsorisée, mais c'est pas vraiment le cas. Parce que on a un sponsor. On vous le tease maintenant, mais on en parlera un peu tout à l'heure, après avoir commencé un peu les sujets. Alors sur quoi tu veux commencer à discuter un peu, Nico, ce soir? Donc voilà, Ju underscore ma, tu as touché, hein, le NFT. Donc le NFT, c'est quoi? Ça parle de... Là on parle de quoi? De crypto-monnaie, de blockchain finalement. Ethereum pour les plus connaisseurs, ou... Tout le monde est bienvenu ici. On fait pas d'amalgame dans tous les cas. Donc on va commencer avec
Le subreddit, je sais pas si vous avez eu écho de Reddit, je crois que c'est aussi une catégorie sur Twitch, Reddit. Mais c'est avant tout un réseau social qui est une sorte de forum, de plateforme où les gens échangent. Donc ici on peut avoir sur l'écran derrière nous, sur le wallpaper comme on dit, un voilà, petit on exemple. On va faire un petit focus sur l'écran et on va commencer cette histoire. On va commencer cette histoire évidemment par Reddit, hein, autoproclamé la page d'accueil de l'internet. Donc on peut le dire un proto-réseau social, hein, parce que... Juste après MSN, non, pour l'appellation. Ça existe depuis un certain temps. Sur Reddit, voilà, c'est des sous-communautés. C'est un peu, pour moi en tout cas, finalement, l'héritier du forum qu'on a pu connaître avant l'arrivée des réseaux sociaux en masse. Sur Reddit, qu'est-ce qui s'est passé qui a un peu fait la une chez les boomers, hein, on peut le dire, hein, on peut déjà lâcher le mot, hein, qui a fait la une chez les boomers, c'est que un groupe de redditors, hein, comme on appelle, a commencé à s'intéresser au placement dans des produits financiers, notamment à travers une application. Bon, c'est Reddit, c'est comme la majorité d'internet, enfin une grande partie du net en tout cas, c'est quand même basé aux États-Unis et assez américano-centré, hein, et donc on va le voir, hein, on va aller un peu explorer rapidement, hein, parce qu'on va pas non plus s'étendre sur cette question parce qu'on a beaucoup de choses à aborder ce soir. Oui, le programme est dense, à rester connecté surtout. On va aller voir un peu les... j'ai dû faire une faute d'orthographe. Ah oui, non. On va aller donc regarder les posts les mieux notés, donc les plus suivis rapidement pour Martin, on peut peut-être commencer par le logo. Ah bah si tu veux toucher un mot du logo, je t'en prie. Ok, donc là on range en version... Ok, très bien. Donc Wall Street Bet, c'est quoi? On a un terme qu'on aimerait amener sur la table, là c'est le terme boursicoté. Boursicoter, boursicoteur pour les gens qui boursicotent, comme dirait le Larousse. Donc c'est quoi? C'est jouer un petit peu avec la bourse, sans spécialement être trader, sans spécialement avoir énormément d'économies devant soi ou derrière soi, ça dépend des heures. On y reviendra, mais parfois c'est devant, parfois c'est derrière. Et donc c'est l'histoire, peut-être vous en avez entendu parler, sur de l'histoire de GameStop. GameStop, qui est cette chaîne aux États-Unis, une chaîne qui vend des jeux vidéo, l'équivalent de Micromania pour nos amis français, ou de Media Market pour nos amis belges. Donc c'est cette marque de jeux vidéo qui allait mettre la clé sous la porte. Là on est pré-Covid par contre, ça doit être 2020, plein 2020. Sur voilà, donc ils allaient mettre la clé sous la porte et donc. Il y a ce man dont j'ai oublié le nom, mais qui est sur Robinhood, une application justement de placement boursier, vulgarise un petit peu le placement en bourse. En tout cas, qui le facilite. Ouais, qui le facilite, on peut rentrer plus facilement. J'ai un mug brrr, comme on dit. Voilà. Alors là, c'est donc le post le plus liké. Il faut savoir quand même, pour les plus taquins d'entre nous, que l'algorithme de Reddit est assez faussé et... vu qu'ils introduisent au fur et à mesure de nouvelles façons de noter les posts remontent beaucoup plus facilement quand ils sont récents parce qu'ils reçoivent beaucoup plus de karma étant donné que les systèmes de karma augmentent. On va pas rentrer dans les économies internes du karma Reddit, je pense pas que ça soit ni le lieu ni le moment. Mais si c'est une demande qui vous intéresse, n'hésitez pas à le faire, à le soulever, hein. On pourra toujours plonger là-dedans. Premier poste, c'est ça, c'est quelqu'un qui avait assez d'argent en tout cas pour louer une pancarte à Times Square. Ou c'est peut-être un deepfake, hein, aussi, mais apparemment pas. Quelqu'un donc qui loue une pancarte à Times Square au lieu de la finance pour nous montrer que avec le langage donc de Reddit, go brr, et des chandelles, on va en revoir tout à l'heure un peu des chandelles, qui nous dit bah voilà, le stock GME, GameStop, est en train de monter parce que en fait ce hive mind, comme on dit en anglais, donc c'est, on va dire ce groupe d'individus reliés entre eux par ce forum là ont pu par leur communication entre eux en fait
faire des effets sur le marché plus ou moins importants, et quand ils s'intéressaient à des stocks d'actions qui étaient vraiment dans des conditions particulières, ils pouvaient avoir une influence assez importante. On va pas rentrer dans les détails de cette affaire parce qu'au final apparemment les boomers de la finance ont quand même réussi à trouver des techniques pour pas forcément perdre la face et perdre devant un groupe de personnes totalement aléatoires de Redditors. Mais en tout cas, ce forum là, avec son esthétique, avec son lexique, c'est un bon point d'entrée vers deux trois questions qu'on va aborder. Et c'est dire juste Marty, je te coupe là-dessus, mais c'est là où on peut quand même dire l'expression « le nombre fait la force ». C'est par ce nombre de connexions en simultané, assez grandes, assez grandiloquentes, que la Wall Street a vraiment regardé le problème et a vu l'action en fait augmenter. Une action augmente quand l'offre, la demande. Je vais vous la faire très très courte. Mais quand beaucoup de gens s'y intéressent, le prix monte. Donc là, ce groupe de boursicoteurs, ce groupe de bros, comme on dit aussi sur les internets. Ouais. Les bros ont tous flashé sur le GameStop en même temps et l'action a énormément augmenté. Ce qui a mis en péril le capital total parce que l'action ne valait pas vraiment ça. Sachant, je vous rappelle l'intro de cette histoire, GameStop allait mettre la clé sous la porte. Je ne sais pas si Amazon allait racheter les coquins, que sais-je. GameStop fait quand même partie de l'ancien monde, on peut le dire. Et oui, parce que maintenant, les jeux vidéo, c'est surtout digital. Donc, on connaît tous le PS Store, le Google Store, le App Store, tous les stores divers et variés qui nous permettent d'acheter des jeux vidéo en virtuel. Voilà. D'ailleurs, shoutout à Ju underscore Ma, Go Warzone. En effet, celui-là aussi était virtuel. Merci. Pour rester un peu sur Reddit avant de se plonger dans des trucs plus actuels, qui sont plus actuels, mais aussi qui sont peut-être parfois un peu chiants parce que ça concerne un peu de l'argent, un peu des chiffres et surtout pas grand-chose de tangible. En tout cas, ça titille un peu la dichotomie réel virtuel. Là, on va rester sur vraiment du virtuel à l'ancienne, avec justement le village collectif mondial. On va rester sur Reddit, on va aller sur Airplace. Pourquoi on va aller sur Airplace? Vous allez comprendre, mais en tout cas, pour l'instant, restons sur Reddit. Airplace, c'est quoi? Airplace, c'est un moment qui a commencé pour une blague du 1er avril en 2017. C'est pas si vieux, mais ça illustre quand même des préceptes un peu qui sont devenus un peu vite obsolètes. C'est un moment où Reddit donne en fait une espèce de canevas géant à ses utilisateurs, et chaque utilisateur dispose d'un pixel environ pour marquer son territoire. Et c'est là qu'on va réussir à voir se coordonner des... Ah, j'avais la vidéo en fait, bien sûr, mise dans mon petit sommaire, parce que malgré les apparences, on a quand même préparé cette émission depuis un certain temps. Attendez, j'ai un petit... Donc voilà, c'est une fresque collaborative où on voit vraiment les gens se coordonner entre eux. Donc là, c'est un timelapse du temps que ça a duré. C'est vraiment un morceau, à l'instar d'un petit bout du mur de Berlin qu'on aura à la maison, c'est un morceau d'histoire d'Internet. Et c'est assez intéressant, selon moi. Après, vous pouvez me dire hein, dans le chat, c'est le truc, c'est tout claqué. N'hésitez pas, hein, c'est pour ça qu'on a des chats. Voilà, on va voir des images se créer, des drapeaux, beaucoup. Bon, c'est pas forcément une fierté de voir que forcément s'expriment directement les nationalismes, etc. Mais je sais pas s'il y avait beaucoup, par exemple, de croix gammées, s'il y avait beaucoup de choses un peu dégénérescentes comme ça. Mais en tout cas, il y a des efforts collaboratifs de représenter des mêmes. On voit un peu en bas du drapeau français. Bon, malheureusement, j'ai pas amené mon laser, mais j'aurais pu vous montrer le drapeau français, la guerre déjà entre la France et l'Allemagne,
sous le drapeau allemand, on voit quoi? On voit deux bitcoins qui se dessinent. Il y a des choses assez intéressantes à regarder. C'est un peu une sorte de tapisserie qui s'entremêle comme ça. J'aurais fait un cursus d'école d'art, je vous aurais dit qu'il y a quelque chose d'assez rhizomatique dans l'animation. Je vois une petite Joconde aussi, la Joconde qui a pop. On a aussi le pingouin de Linux. Art, amusez-vous dans le chat, d'ailleurs aussi dans les commentaires YouTube, parce qu'on n'a pas dit bonjour à YouTube, Nico, mais ces émissions sont évidemment retranscrites en VOD sur YouTube, sur notre chaîne. Vous aurez dans les liens en description. On a aussi le transcript de cette vidéo avec tous les liens, cette vidéo, Airplay, Wall Street Bets, pour ceux qui se disent, mais attendez, plein de gens random sur Reddit, un réseau social que je connaissais même pas, ont réussi à faire de l'argent, ou peut-être pas d'argent, avec une application, pourquoi pas moi. Vous aurez tous les liens dans la description. De la chanson au concept, au métaphysique, tout sera là. Donc je vous laisse encore admirer un petit instant Airplay. Peut-être des remarques, Nico ? Non, on voit le paysage s'améliorer, grandir petit à petit. Je rappelle que c'est un timelapse. Donc ça a pris quand même quelques jours, quelques semaines. On peut peut-être avoir une petite temporalité. 72 heures. 72 heures. Donc 72 heures qui fait... si on calcule bien, 3 jours. 3 jours. Donc à un moment, il se passe un truc assez intéressant. C'est que l'esprit en fait du capital reprend le dessus sur juste dessiner des drapeaux ou dessiner la Joconde, un bitcoin, que sais-je. C'est-à-dire que des pixels ont été rachetés. Parce que voilà, chacun a un pixel, mais les pixels peuvent se donner, s'échanger, se voler. Les pixels évoluent. Et donc là, on voit petit à petit des marques arriver, genre du branding, des logos. Logos, comme on dit. Logos, no goes. Logos, zone. Merci à la régie. Hein. Merci à la régie. Petit show là. Pourquoi vous parlez d'Airplace alors? Et ça revient une question de Juma dans le chat, et c'est pas le seul d'ailleurs à se la poser dans le chat, sur la question des NFT. Voilà, on est en 2021. Si vous avez Instagram, Twitter, ou si vous regardez un peu sur les réseaux en 2021, et que, en plus de ça, vous êtes un créatif, graphiste, typographe, vous faites du Blender, peu importe finalement, même au final si vous faites de la musique, c'est aussi un milieu qui est touché par ça, même vous avez entendu parler. Même de la peinture à l'huile finalement. Même de la peinture à l'huile, on va le voir tout à l'heure. Vous avez entendu parler forcément des NFT. J'ai profité qu'on ait ce fond un peu pour reparler de ça, parce qu'une fois qu'on va arriver dans le monde des NFT, au niveau de l'esthétique, ça va être un peu autre chose, ça va être beaucoup plus bruyant. Pour moi, c'est un entraînement aussi de là d'essayer d'expliquer dans un très court laps de temps qu'est-ce que c'est un NFT, mais je vais essayer. Un NFT, c'est simplement un certificat d'authenticité qui, au lieu d'être géré par soit des organismes de certification, soit... par la confiance entre les institutions muséales, les galeries, les collectionneurs, les artistes, c'est un certificat d'authenticité qui est encodé dans la blockchain, c'est-à-dire l'endroit où sont encodées aussi toutes les transactions, les échanges monétaires et un certain nombre d'autres informations. Tout est mis dans cette blockchain. Qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose finalement, simplement une sorte de transparence. Une sorte de transparence quant à vraiment la lisibilité des contrats et savoir qui est à qui, la quasi-impossibilité de produire des faux. Qu'est-ce que ça change d'autre pour les gens? C'est que ça permet de vendre des œuvres digitales. Enfin, au final, on a toujours pu vendre des œuvres digitales, mais là, leur côté vraiment unique, le fait qu'on dispose d'un certificat d'authenticité, a changé un peu la donne. Et depuis les premiers NFT, on a commencé à les voir dans 2017 à peu près, un peu avant. Et depuis là, on va dire 6 mois, un peine plus, c'est vraiment une sorte de... voilà, ça c'est une vidéo que j'ai pas choisi de mettre. C'est vraiment une sorte de mode, on peut le dire, et ça touche un peu le marché de l'art et différents marchés aussi. Et forcément, c'est assez discuté, assez présent sur Internet. Bref. Quelqu'un a décidé de faire un NFT de Airplace. Alors, je sais plus moi exactement comment je suis tombé là-dessus. Mais en tout cas, quelqu'un s'est senti
poussé les ailes de se dire qu'il était capable de vendre ce bout d'histoire, comme on dit. On va aller voir ça un peu de plus près sur un des plus grands marketplaces de NFT qui s'appelle OpenSea. Il y en a plusieurs, on peut les citer, hein. Toute la documentation bien sûr de ce passage sera dans la page Wikipédia qu'on vous donnera. Il y a Nifty Gateway, il y a Super Rare, il y a Rarible, il y en a beaucoup. Et voilà, donc cette personne voudrait, bah, vraiment mis cette pièce à vendre à 2500 Ether. L'Ether, c'est une des nombreuses crypto-monnaies existantes, et il se trouve que la plupart des NFT qui marchent bien, la plupart des marchés qui vendent ces œuvres d'art digital fonctionnent sur l'Ether, sur cette technologie-là. Il y en a d'autres, mais en tout cas, la personne qui possède donc cette image-là voudrait la vendre 10 180 000. Ça devient compliqué quand on voit les chiffres comme ça, parce que bon, on peut se perdre assez facilement. Donc quelqu'un voudrait la vendre à ce prix-là. Donc quand ce quelqu'un veut vendre une œuvre collaborative, ça pose quand même des questions sur qu'est-ce qu'un NFT, et surtout qu'est-ce que va avoir l'acheteur en comparaison à nous qui venons de vous montrer gratuitement, gracieusement, tout ce timelapse de la création de l'image finale. Finalement, qu'est-ce que l'acheteur va avoir de plus? Marty, peut-être un petit mot. L'acheteur va avoir vraiment le certificat d'authenticité qui lui montre qu'il est le... L'acquéreur, donc c'est lui qui va avoir la possession de cette image. Voilà. C'est là où ça pose aussi directement problème. Comment on peut posséder une image collaborative? Ouais, ça c'est vrai. Et ça pose évidemment des problèmes de copyright. Mais après, la bonne nouvelle, c'est que cet article-là ne semble pas avoir été vendu non plus. Et c'est plutôt une tentative, on va dire, de spéculer comme ça sur cette nouvelle technologie en reprenant un truc mi-vieux, parce que... Je vais vous le montrer. On va simplement peut-être se balader. Moi, un site dont je trouve l'esthétique vraiment pas intéressante. Mais c'est là que ça devient intéressant de se plonger un peu dedans. C'est Foundation. Focus dans le... Après, c'est des choses très belles qui demandent vraiment du craft. Et il y a entre... Se glissent forcément des choses intéressantes, notamment venant d'artistes des médias qui profitent de ce médium pour recycler ou modifier leurs pièces, on va dire. Mais voilà, je vais vous faire un petit scrolling en live. Voilà un peu ce qu'on trouve sur le marché des NFT. Donc en ce moment, je sais pas si Nico, tu peux nous donner le prix d'un Ether comparé au dollar ou même comparé à l'euro, c'est peut-être mieux pour nous. Donc l'Ether, je vous ai montré un peu de façon sauvage une courbe. Je vais peut-être vous la remontrer pour vous, le chat. Alors une courbe sur un broker, c'est une application, un site internet qui nous permet d'échanger notre fiat, c'est des monnaies classiques comme l'euro ou le dollar, vers de la crypto-monnaie, dont l'Ethereum qui est quand même une des plus connues et qui a fait ses preuves. Donc là, on peut voir que l'Ether en USD vaut 4135. Donc un Ether, cette monnaie virtuelle, vaut 4135$. En dessous, on a les 3400€. Donc un Ether vaut 3400€. Juste pour vous situer un petit peu. Et donc, ouais, pour revenir sur... Donc si on revient sur le site... Pour revenir sur le NFT, donc là, en ce moment, pour cette photo, hein, qui est magnifique, hein, d'ailleurs, c'est... Je me demande si c'était pas un fond d'écran sur une mise à jour Samsung, quelque chose comme ça. Non, je rigole, mais vous voyez un peu l'esthétique. Ben voilà, en ce moment, l'enchère actuelle est à 8000$. Après, c'est aussi l'occasion pour des gens d'acheter parfois des œuvres d'artistes qui sont très connues et qui ça leur permet d'acheter ça d'une manière un peu moins onéreuse. Moi, il y a une utilisation des NFT que je trouve intéressante, c'est qui revient sur Earthplace, parce que sur Earthplace, pardon, c'est je vais vous donner ça tout de suite, juste simplement le temps que je retrouve ma liste. En fait, c'est que certains
certains mèmes de l'époque, certains mèmes un peu anciens, par exemple là je vous parlais de Disaster Girl, vous l'avez forcément vu. Disaster Girl, on parle sur de... Moi j'ai pas les dates exactes en tête, mais c'était il y a peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Bon, on a aussi Il y a David After Dentist qui vient de se vendre il y a 4 jours apparemment. Pardon ? David After Dentist qui nous parle de Britney Spears en 2009. On a Bad Luck Brian aussi. On va sur Cine. La Bad Luck Brian, ça c'est des gens qui eux-mêmes, enfin les gens qui figurent sur les photos, ont vendu du coup en tant qu'NFT. Donc Disaster Girl, je pense que ça a été vendu comme on le disait 500K, enfin, donc l'équivalent en Ether de 500 000 euros au moment de l'achat. Et moi ce que là où je trouve ça vraiment intéressant, c'est qu'en fait c'est des gens qui ont connu une gloire comme ça. C'est sur Signal. Assez. Une gloire assez assez aléatoire hein, voilà par un peu les on va dire le côté horizontal et la façon dont internet se filtre et s'auto-filtre qui après des années où ils ont vu leur image d'enfants ou dans des positions un peu plus gênantes comme Bad Luck Brian comme on le voyait tout à l'heure ils ont réussi après que leurs images aient circulé partout sur le net, ils réussissent à cacher à faire de l'argent sur ça je pense que c'est d'où le terme viral aussi qui est important dans cette histoire. Personne ne contrôle à quel moment une image devient virale finalement. Et donc cette photo qui a été postée sûrement par le papa ou la maman de cette jeune fille en face d'un incendie est devenue virale. C'est-à-dire elle est devenue hors de contrôle et a été repartagée, partagée, repartagée, repartagée dans une vitesse exponentielle sans plus aucun contrôle. Et comme tu dis, c'est côté viral où on n'a pas de, on n'a pas vraiment aussi le contrôle de comment en fait mettre en avant une image, comment on la push, comment on l'a marketé. C'est là que je rejoins la question de Juma dans le chat qui dit on veut faire de l'argent avec les NFT. À part si tu as une notoriété comme ces gens qui font des mèmes ou on va le voir peut-être maintenant, la question d'un des organisateurs du Fire Festival. Si tu n'as pas ta notoriété en amont, c'est vraiment par hasard si ton NFT devient viral pour une raison vraiment quelconque, là peut-être tu peux réussir à te faire de l'argent, mais il faut savoir que sur la plupart des marchés ça demande un investissement minimal de je dirais entre 60 et 120 euros pour produire, publier un NFT. Ça c'est pour répondre à Jou dans le chat pour des points de vue techniques, on a essayé, on peut te dire voilà. On peut te le dire, vraiment n'hésite pas, d'ailleurs il y a évidemment tous nos contacts dans la description, tu peux nous contacter sur Twitter et etc. On peut t'expliquer comment faire, c'est faisable mais c'est un petit pari parce que ça demande d'investir une somme d'argent que t'es pas sûr de retrouver au final parce qu'il y a des frais sur les plateformes etc. Et à moins que tu sois le photographe ou la photographe du fond d'écran Windows le plus connu avec la colline, il n'y a pas forcément de raison que ton NFT se vende. Donc maintenant on va passer à un autre NFT qui nous tient à cœur, une histoire assez drôle que vous avez sans doute vu parce que Netflix on a aussi parlé plutôt récemment et ça vient de passer en jugement récemment. Voilà pour info. Donc, y a une petite photo qu'on avait préparée pour peut-être rattacher aussi les gens qui sont un peu moins crypto, un peu moins crypto wizard comme on appelle, et qui sont plus dans le côté de l'amour du cinéma et de l'amour de l'image. C'est une scène extrêmement connue d'un film qu'on a peut-être tous vu. Je vais vous ouvrir ça. Ceux qui l'ont vu vont sans doute reconnaître au premier regard, mais... Donc c'est cette scène de American Psycho où le protagoniste nous montre et compare les cartes, sa carte de visite avec ses associés, ses coordinateurs dans son entreprise. Donc c'est cette époque où voilà, la carte de visite, on pourra peut-être faire un volet par après sur les cartes de visite virtuelles maintenant. La carte de visite en fait nous représentait, donc c'est là où en prenant du papier gaufré, en prenant des cartes peut-être métallisées, que sais-je, des brillances, des textures, c'est là où en fait on se donnait une profondeur et donc peut-être une importance
dans le monde du travail. Et donc, cette image, vous l'avez peut-être croisée aussi sur... bon, on n'est pas ouvert, on est clairement ouvert à la concurrence ici, sur Twitter, Reddit, VK, sur Telegram, d'autres réseaux sociaux finalement qui... Together, comme on dit. Ensemble. Ensemble. Tu fais bien de le rappeler. Qui rassemble les gens. Cette image a été énormément détournée en même. En fait, vous voyez cette petite partie blanche qu'il tient entre ses doigts ? On peut écrire ce qu'on veut dessus et ça devient hilarant. Bref. Donc, il y a... Vous voyez que cette carte, comme je dis, représente notre prestige, cette espèce de folie, de poudre de perlimpinpin, pour reprendre un grand philosophe, qu'on veut donner comme ça de façon instantanée à la personne à qui on la donne. C'est une petite histoire qui date de 2009, si mes sources sont bonnes, et si ma mémoire ne flanche pas. C'est ce man qui s'appelle Billy McFarland. Billy McFarland, c'est un New-Yorkais, vingtaine, assez con et très riche, sûrement fils de je ne sais qui, mais très riche, qui a lancé cette start-up qui s'appelle Magnesis, et qui a en fait créé des cartes de crédit en métal, qui étaient donc des cartes platinium, avec un abonnement plutôt cher, mais voilà, qui étaient des cartes littéralement en métal où ton nom était gravé dessus, et en fait, cette carte était dédiée aux jeunes millionnaires. Exactement, c'est lui. Je sais pas si ses dents sont vraies, mais en tout cas, il a un très beau sourire. L'intérêt de cette carte en platine, en fer, était de la faire tomber sur le bar pour montrer qu'on pesait de l'argent et que notre carte était sonnante trébuchante, comme on dit. Donc, il a une idée comme ça qui partait de la blague, il en a vendu quelques-unes. Voilà, c'était un start-upper avant la start-up machine, bien avant. Là, on est en. Post pré-Covid, mais les masques ne se portaient qu'à l'hôpital, et encore, même on pouvait peut-être fumer dans l'hôpital encore, à l'époque. Bref. Donc ce Billy McFarland, qui est d'ailleurs, vous pouvez taper, il a une page Wikipédia, son surnom c'est Fraudster. Fraudster pourquoi ? Fraudster tout simplement parce que ce gars a créé avec un influenceur rappeur assez connu aussi, Ja Rule, le Fire Festival. Ça remonte à quelques années, vous avez peut-être déjà vu l'histoire, mais en fait c'est un festival qui s'est monté sur une campagne de communication fabuleuse sur une île déserte. Ouais, c'est ici. Avec des prestations, voilà, hors du commun, disons. Qui s'est... Oui, le Fire Festival, on mettra le lien dans la description, il y a un reportage sur Netflix, il y a un reportage encore mieux sur YouTube par un... Malheureusement, peut-être quelqu'un de droite, mais son contenu était quand même très intéressant sur Fire Festival, Internet Historian. On va vous mettre le lien. Regardez, super intéressant, un énorme fail, comme quoi même des adultes peuvent faire de la grosse merde de temps en temps, et ça rassure beaucoup. Donc oui, Fraudster, ouais, comme tu disais, pour pas la disambiguation, donc pour pas mélanger, parce que McFarland doit être un nom assez connu. Lui, c'est spécifiquement le fraudeur dont on parle. Donc, lorsqu'on cherche sur Wikipédia, non, c'est voilà. Le politicien, le joueur de hockey, c'est le fraudeur. Donc là, l'histoire, on essaie un peu de retomber sur nos jambes en direct, parce que je vous rappelle qu'on est en direct. Il y a un bouton rouge, comme dans Love Story à l'époque. On peut cliquer sur le bouton rouge si vous voulez que ça s'arrête. Bref. Donc, avec ce procès pour le Fire Festival, qui est un énorme craquage, il s'avère que des sommes... incroyablement élevés ont été à rembourser par les deux protagonistes, donc Billy McFarland, aka Fraudster, et Ja Rule, son ami influenceur rappeur. Et notre ami Ja Rule, qui n'en manque pas une, on peut dire, il a décidé de créer sa propre NFT. Alors là, vous me dites, oui, NFT, on vient d'en parler. Pourquoi ? Parce que, d'accord, American Psycho, etc., la carte de visite, mais on y vient. Qu'on dit que... Je reprends le chat sous les yeux, mais quand Juma nous dit qu'au final le certificat a plus de valeur que l'œuvre elle-même, certes, c'est souvent comme ça. En fait, Ja Rule a eu cette fabuleuse idée de faire du Fire Festival à un NFT, peut-être pour rembourser ses procès, ses diverses dettes. Mais il a en fait créé ce qu'il fait aussi de la peinture. Il a créé une peinture à l'huile du logo de Fire Festival. Fire avec un Y, sûrement pour des questions de copyright d'ailleurs. Qui sait ? Qui sait ? Et cette œuvre,
Je ne sais pas si elle est en vente ou si elle était vendue sur les derniers marchés, mais je crois que la capitalisation a été quand même assez élevée. On va aller vous dire ça en direct, parce que si elle n'est pas vendue, ça reste pour les gens dans le chat qui ont tous les CSP et CSP+, qui ont un peu d'argent à mettre, ça reste quand même des bons investissements. Bon, on ne va pas le rappeler, tout ce qu'on dit ne fait pas office de conseil financier, évidemment, on se défend de toute, toute question juridique, mais apparemment, on me dirait sur Google, je vais vous mettre ça tout de suite, sur le Guardian, que Jarul, notre ami Jarul, aurait réussi l'exploit de vendre. Alors attendez. Je crois que c'est. J'ai le chiffre. T'as le chiffre, Nico ? Ça a été vendu pour 122 000 dollars. Donc via Ether. 122 000 dollars. Donc cet NFT qui a été vendu après action. Voilà, il était impliqué dans une fraude à 26 millions de dollars, mais a été lavé de tout soupçon, apparemment, contrairement à son ami. Moi, je cherche simplement sur quel marketplace ça a été vendu, ça m'intéresse. Hein, quand même, ça reste un milieu particulier. Mais ce n'est pas mis. C'est sur l'application flipkick.io. D'accord, alors voilà, ça, je pense que... Et en fait, c'est l'application du rappeur lui-même. D'accord, donc ça a servi à un peu lancer sa propre application. DGG dans le chat, s'il vous plaît. DGG dans le chat, mais... Il y a les émotes pour ceux qui sont subs, d'ailleurs. Enfin, entre nous, hein. Mais lancer sa propre application, c'est pas forcément la meilleure idée, comme on l'a pu le voir avec le gros flop récent, dans une question un peu plus locale que Ja Rule aux États-Unis, avec... l'application d'Obispo, Laissez-vous tenter, qui est à la fois, comme il le disait, du coup un mélange entre Netflix et Spotify, avec du contenu exclusif de Pascal Obispo, mais ça veut dire aussi du contenu exclusivement de Pascal Obispo. Donc c'est comme un Netflix avec que des reportages sur lui, ainsi qu'un Spotify avec que des albums à lui et des reprises à lui. Et donc lancer sa propre application d'NFT de la part de Ja Rule, toi je sais pas ce que t'en penses, parce que je sais que t'as un œil un peu plus acerbe sur le marché américain, sur le rap notamment. Je sais que voilà. Il y a eu des historiques. Quand tu parles. Quand tu me parles de mélanger. C'est une mauvaise idée après. Quand tu me parles de mélanger Spotify et Netflix, c'est Jay-Z qui avait racheté il y a peut-être 5-6 années de ça. On s'en rappelle. L'application Tidal. Je pense, à l'époque. Tidal, et qui avait fait une. Je sais pas si on peut retrouver la vidéo, elle est peut-être pas très intéressante, mais où il avait invité des artistes à signer en face de la caméra, notamment les Daft Punk ont signé son contrat. Rest in peace, hein, parti trop tôt. Tout sonne un peu, je trouve. Pardon pour le... Ouais. Bon, on en parle. On va faire une... pas une petite pause, mais on va simplement profiter de ce moment un peu pour vous parler de notre sponsor. Vous l'avez vu parce qu'il s'est un peu déjà glissé dans... Il s'est un peu déjà glissé dans les pages web qu'on a visitées, pardon. Je vais aller chercher ça tout de suite. Hop. Notre sponsor pour ce numéro-ci, c'est Wikipédia. Oh là là. What if? Alors, Wikipédia, c'est quoi? Pour ceux qui ne sont pas au courant, Wikipédia, c'est une encyclopédie participative. Multilingue, avec des millions d'articles dans des centaines de langues. C'est une entreprise du web incroyable, une entreprise au sens d'entreprendre, projet, au sens de collectivité. Voilà. C'est incroyable. On avait envie de pondérer un peu nos propos sur les crypto-monnaies, sur les NFT, sur les gros chiffres, sur l'argent, sur la droite. Enfin, on va voir sur la droite, on sait pas, mais en tout cas sur des choses un peu un peu étranges, parce que bon. On en parlera peut-être, on va en toucher un mot parce que c'est dur de passer à côté. Tout ce qui concerne les crypto-monnaies actuellement et aussi les NFT du coup, détruit notre planète de manière... Ah bah tiens, voilà. Je crois que minter un NFT, c'est-à-dire produire un NFT ainsi que l'acheter, consommerait à peu près 2 à 3 incendies de Notre-Dame en ce qui concerne les,
les proportions didactiques. Le CO2 émis par l'électricité produite. Donc Wikipédia, vous avez le lien, on va le mettre maintenant dans le chat d'ailleurs, parce que voilà, c'est vraiment important. Un lien pour vous inscrire à Wikipédia et pour faire une donation. C'est un lien partenaire, on est partenaire de Wikipédia. Je vais l'envoyer en régie, je sais pas s'ils peuvent le mettre dans le chat. Mais on vous envoie, n'hésitez pas à cliquer, au plus de gens iront, au plus déjà nous ça fait avancer la chaîne, mais surtout ça fait avancer ce projet incroyable. Là je vais cramer mon... Ah, c'est bien. Je crois que j'avais cramé mon compte perso, mais oui je peux. Vous retrouvez le lien dans le chat, vous n'hésitez pas à cliquer, c'est vraiment incroyable. La Wikipédia Foundation, ils ont du merch aussi, le lien sera dans notre script. Ils ont des écharpes, ils ont des chaussettes, ils ont des pins, ils ont des choses intéressantes. Des mugs aussi. Des mugs évidemment. Des mugs, et ils font parfois ça reste quelque chose de très sérieux. Des collaborations avec des marques aussi. On aura l'occasion d'en parler parce que Wikipédia c'est un acteur qui va revenir souvent dans les vidéos. On prépare quelque chose d'assez gros au niveau un peu du monde du e-sport et du monde de la navigation dans le langage. Tout soon. D'accord. Juste pour dire un petit dernier mot là-dessus, mais Wikipédia est clairement in the fields pour le chat. Shout out. Point d'exclamation RITF. Le point d'exclamation RITF malheureusement n'est pas disponible, mais il reviendra dans les prochains épisodes, ne vous inquiétez pas. Ça, il n'y a pas de... De toute façon, ça reste in the fields avec ou sans la commande du streambot. Dans tous les cas, c'est pas des lol. Hein. Évidemment. N'hésitez pas à spammer des commandes random dans le chat parce qu'on a oublié le nom des commandes qu'on avait données. Je sais pas, peut-être point d'exclamation life, point d'exclamation sponsor, je sais pas. C'est dommage. C'est les aléas du direct aussi. Hein. Nicolas. Oui, Marty. De quoi tu voudrais parler maintenant? Est-ce que tu voudrais peut-être faire une petite pause? Ou tu veux enchaîner? C'est à ton aise. On peut... chat aussi, vous dites pas. Tu sais, oui, moi c'est surtout le... Le rythme, c'est pour vous le chat, ça, c'est avant tout une émission pour vous. Hein. Oui, hein. Nous, ce dont on vous parle, on le sait déjà, hein. Sinon on ne pourrait pas, pourrait pas vous en parler. Mais bon. On va peut-être faire une mini-interlude pour recharger les batteries, et puis on va enchaîner sur le tout the moon. To the moon, effectivement, mais du coup, cette interlude un peu politique, pour le coup. Voilà, vous m'excuserez, je sais que c'est compliqué de faire de la politique sur Twitch. Légèrement politique, donc je vais vous proposer, donc c'est un son que j'ai choisi moi pour le coup, on entendra après des sons que Nico a choisi. C'est un son de Schlag de Mars, qui a l'air d'être un alias parce qu'il a pas d'autres morceaux. Donc je vais vous retrouver ça. Le son en lui-même n'est pas politique en soi, mais c'est un remix de Kenny Arcana, enfin, vous allez vite le comprendre, mais c'est plutôt les images d'illustration qu'on va vous mettre pendant que nous on prend notre petite pause, on prend nos aises. Attends, Martin, je suis prêt à monter le son, en tout cas. Ouais. Mon ordi est très lent d'ailleurs. Pendant ce petit interlude technique, je vais en profiter pour vous dire que si comme nous, vous produisez des choses, vous avez aussi vos petits penchants capitalistes et vous commandez sur Amazon Prime parce que c'est plus rapide, parfois moins cher, vous pouvez bénéficier d'offres incroyables, vous pouvez connecter votre compte Prime à votre compte Twitch. Ce qui fait que vous avez le droit à un sub gratuit. Nous, en fait, voilà, on n'est pas là pour quémander non plus, mais au plus on a de subs, au plus ça nous permet d'améliorer le matos, d'avoir des ordi plus rapides qui permettent de ne pas attendre 10, 15, parfois une minute pour charger une page SoundCloud. Et surtout avec peut-être des cartes son qui font que la musique que vous allez entendre ne sera pas aussi hachée que maintenant. C'est vraiment, enfin voilà, de toute façon, si vous venez de temps en temps sur Twitch, vous savez, vous connaissez ce discours, on va pas vous la chanter, vous voyez bien que je suis assis sur une chaise Ikea trouée, tout le monde en a vu, c'est pas une chaise de gaming. Et là, c'est certes ses premiers numéros, mais en même temps, dans d'autres numéros, au bout d'un moment, moi je risque de souffrir un petit peu. Alors, juste pour te couper vite fait, mais tous les primes sont reversés à Wikipédia. Ah, c'est vrai, parce que c'est notre sponsor actuel. Mais il s'avère que voilà, finalement, on a aussi besoin du soutien pour améliorer l'émission. Et puis, l'émission, enfin, je le dis, je le répète, mais c'est avant tout vous, quoi. C'est le chat.
c'est ça. D'ailleurs, on est dans la catégorie ASMR. Le lien qu'on peut mettre dans le chat, je pense qu'en régie, vous allez mettre le lien. Il n'est pas encore fignolé. Il y a des choses dont on a parlé qui sont pas bien documentées sur Wikipédia. Je vous vois bien en commentaire, nanana, index, vous abusez, vous faites le travail à moitié, vous foutez de nos gueules. Non. On le fait en direct parce que parfois on prend des chemins de traverse qui fait qu'il faut qu'on adapte notre script en direct et parfois voilà, c'est que à la fin de la vidéo, voire quelques heures après, qu'on aura vraiment le script final avec tous les liens. Mais là, on va vous spammer un peu dans le chat en régie le lien de notre wiki sur lequel vous retrouvez tous les scripts et notamment la boutique de Sofrapalliance où vous pouvez acheter notamment ces t-shirts avec les Maniacs, très lourds, on les voit pas assez, ouais. Mais pas que, et donner leur bisous aussi sur Bandcamp et surtout passer dans la soirée hein, quand dans le pays, peu importe où vous soyez, quand vous aurez le droit de refaire la fête. Who knows? Voilà, hein, apparemment on a eu un petit teasing du président français qui nous annonçait comme ça, petit à petit, c'est un festival, ou j'ai pas bien compris, un festival qui se passe dans des châteaux, enfin je sais pas, bref. On va en parler de toute façon un petit peu. Le son arrive, on va prendre notre pause, je pense qu'on est bien. Dès qu'on s'est en termes de VPN. Tu me fais le clap pour oui, que je bref, on a le droit d'avoir qu'un seul sponsor par vidéo, Juma. Donc les conseils en termes de VPN, ça sera peut-être le prochain. Mais c'est important. C'est important VPN surtout pour les Français qui nous écoutent, qui vivent à l'étranger et qui touchent encore le RSA. Sachez que la CAF, les caisses d'allocation familiale, font attention à d'où vous connectez. C'est pas des blagues, hein, c'est très sérieux, même si vous aurez peut-être des rires derrière moi, c'est des sound effects, c'est très sérieux. Utilisez un VPN lorsque vous actualisez à la CAF. Et on écoute tout de suite Schlag de Mars avec La Rage sur une vidéo de la boum à Bruxelles, histoire de voir des images un peu choquantes. Et c'est parti! Ha ha!
Vraiment désolé hein, pour les auditeurs fidèles qui sont restés jusqu'à la fin de ce morceau. Bah, même moi je deviens vraiment un boucher là de ce morceau complètement charcuté par ma carte son. Hein. N'oubliez pas de sub, de faire des dons, de vous abonner à la chaîne, de partager les vidéos, tout ça, c'est des petits gestes qui nous aident. Hein. C'est pas forcément des gestes financiers non plus. Mais ça peut nous permettre d'améliorer la qualité du stream. Évidemment ce track vous allez le retrouver dans les liens de notre script. Et Nico, de quoi on va parler maintenant? Alors on enchaîne, on va rester un petit peu sur la même thématique internet, monnaie, crypto, valeur. On va parler de Elon Musk, on a une petite photo pour illustrer. Donc Elon Musk c'est lui. C'est un personnage haut en couleur on peut dire. Je pense qu'on va pas, c'est pas nous qui allons vous présenter Elon Musk non plus hein. Donc c'est un homme d'affaires qui s'est récemment exprimé dans le talk show américain Saturday Night Live, le SNL, plus couramment appelé. Le 8 mai, c'était samedi soir, dans la nuit du samedi au dimanche. Et en fait, lui, il push depuis quelques semaines, donc pour l'exclamation push hein, pour la traduction. Il push une crypto qui s'appelle le Doge. Le Doge qui est né de ce petit même mignon du chien. Voilà, quelqu'un a créé ce token, cette crypto-monnaie à partir de ce même de chien. Et en fait, il s'avère que cet homme-là, on en a acheté une immense partie, un immense pourcentage de la capitalisation globale. Et Marty me disait en préparant l'émission dans le tram en venant que seulement 12 personnes dans le monde ont 60% de tout le fonds global du Doge. Donc peut-être que ça parle pas pour certains, mais
on va un peu développer ces questions-là, donc, mais effectivement, il paraîtrait, selon les analystes les plus fougueux, que 12 porte-monnaies, 12 wallets, 12 adresses capables de stocker du Dogecoin posséderaient à elles seules 60% environ du capital entier qui représente la masse de Dogecoin en ce moment en circulation. Alors, sur un petit point de vue législatif, là on fait une mini parenthèse. Vas-y. Pour tous les boursicoteurs dans le chat, dans la bourse en fait il est interdit d'influencer le marché. C'est-à-dire quand on possède, c'est ce qui est aussi un petit peu arrivé à GameStop, enfin on revient un petit peu au début de l'émission, on lève notre verre à GameStop. Hein. Mais en fait le subreddit Wall Street Bet a été... A été soupçonné d'influencer le marché. Et donc aurait pu avoir des poursuites parce qu'il est totalement illégal d'influencer le marché. C'est-à-dire je vous fais un dessin. Mais j'ai pas malheureusement j'ai pas paint mais. Ah je peux faire un dessin. Alors merci à la régie pour la technique. Imaginez que j'ai un gâteau. Oh là là, on est en direct. On est sur les lourds. Ça c'est un gâteau. Un gâteau, j'en prends une part. Ça c'est la part que j'ai mangée. Que je compte manger, parce que là on est en direct, pas de nourriture à l'antenne. Et bon appétit bien sûr, pour ceux qui sont en train de manger, en train de regarder la rediff. Donc imaginons que ce gâteau, il en existe 100. Moi j'achète une part des 100 gâteaux, donc j'ai 100 parts de ce gâteau, et toutes les autres parts, donc je peux les dessiner en pointillés, toutes les autres parts sont à vendre évidemment. Et en fait, en ayant 100 parts de mes 100 gâteaux, j'ai le plus de parts de tous les gâteaux qui sont en vente. Et je peux dire que le gâteau est excellent, parce que sais-je, c'est peut-être ma mère qui l'a fait, ou peut-être que moi j'aime la noix de coco et et l'ananas, et je peux... Oui, oui, continue, excusez-moi. Je peux finalement influencer l'opinion des gens en racontant que ce gâteau est vraiment... D'ailleurs, je pense à Cyril Lignac là, mais c'est peut-être le gâteau du meilleur pâtissier de France. Par exemple, ouais, c'était par exemple. Très bonne illustration. Donc, je quitte la caméra embarquée, mais c'était pour vous dire, voilà, donc il est illégal en bourse d'influencer le marché. Sauf que la crypto-monnaie n'est pas encore régie par la même législation. Effectivement, c'est un des avantages d'ailleurs de la crypto-monnaie qui était à ses débuts assez critiquée, ou du moins, en tout cas, on l'a pointé comme étant une facilitatrice d'achat illégaux sur le darknet et permettrait apparemment, selon certains députés, de financer aussi le terrorisme. Mais exactement. Il y a des délits, on va dire financiers, des délits qui étaient assez courants un certain temps, qui s'appliquent aussi sur le crypto-monnaie. Donc en fait, Elon Musk, en tweetant, donc il a Twitter, hein, il a quand même pas loin de la bagatelle de 53 millions de followers au dernier comptage. Il lâche des mèmes, donc c'est des images humoristiques, pour en fait faire rire les gens sur le Doge. J'en ai envoyé un sur Signal où en fait Snoop Dogg lui a fait lui-même un mème que lui s'est empêché de partager. Il est un peu plus haut si tu scrolles un coup. Et donc c'est pour vous montrer, en faisant ces photos là, vu que le Doge était un mème à la base. Oupsie. Donc voilà, en fait en mettant en jeu le Doge, donc ici Snoop Doggy Dodge. Qu'est-ce qu'on attend? Ah là, qu'est-ce qu'on attend? En fait, en faisant rire son chat, comme j'espère qu'on vous fait rire le chat. Comme tout influenceur qui se respecte. Influence en fait la valeur de cette monnaie. Donc là, il n'a pas acheté une part de 100 gâteaux, il a peut-être acheté 4 parts sur les 100 gâteaux. Mais il dit que sa monnaie vaut quelque chose en la mettant en avant. Et lui, par son histoire, on peut peut-être revenir sur la photo précédente. Il a quand même assez la classe et il a souvent... Non. Voilà, donc vous le voyez dans son costume sur mesure saillant, avec des billets, il se représente souvent comme ça en fait. Voilà, on peut se dire je veux devenir comme lui. Donc voilà, moi aussi je vais acheter du Doge, je vais acheter cette crypto.
Donc maintenant je pense que le personnage vous le connaissez. Juste une histoire un peu plus... Enfin là je l'ai sous les yeux hein, Marty, entre nous parce qu'on est un peu comme à la maison. Mais je t'envoie une image sur Signal. Dis-moi bien sûr, n'hésite pas. Hein. Donc c'est un show qui est fait maison, hein, vraiment avec les moyens du bord. Hein, c'est vraiment 4 mains, 6 claviers, 4 cartes vidéo. Tu peux le montrer au chat en fait. C'est vraiment quelque chose de simple, hein, faut pas s'imaginer, c'est accessible chez vous, hein, si vous voulez avoir une voix médiatique aussi. Tu peux montrer sur le chat là. Désolé, la dernière image. Et c'est pour montrer qu'il vient quand même de loin, il s'est fait tout seul. Ouais. Ok. Excusez-nous pour les. Pour les trucs techniques, hein, les voilà, techniques. Pour l'instant, ça reste encore quelque chose de fait maison, hein, de vraiment. C'est de l'artisanat du streaming, c'est de l'artisanat médiatique. Hein. On n'est pas chez TF1, hein, on n'est pas chez M6. Donc, voilà, on n'est pas chez W9 non plus, donc c'est. Voilà, ça peut. On voit. On voit Elon Musk à gauche qui raconte, voilà. Donc pour les non-anglophones du chat, Marty, tu peux peut-être traduire. Voilà, son père lui a forcé à fumer de l'herbe lorsqu'il avait 6 ans. Voilà, donc il vient quand même de loin. Peu importe, on va revenir. Donc là, voilà, l'événement marquant du week-end, pour tous nos abonnés dans le chat, c'était donc Elon Musk qui hostait le SNL. Sur ABC, je crois, ou NBC plutôt. Pas, NBC. J'ai pas la télé, hein. J'espère que vous non plus d'ailleurs. Hein. Et donc, comme on a tendance à le dire, hein, c'est une phrase que j'aime bien, j'ai tendance à mettre un peu en avant, c'est éteignez vos télés et allumez vos cerveaux. Et on n'arrête pas un peuple qui danse. On n'arrête pas non plus un peuple qui danse d'ailleurs, c'est pas la seule musique qu'on écoutera, vous imaginez bien, vous connaissez la maison. On va encore écouter quelques belles surprises. SNL, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Saturday Night Live, ça passe à l'équivalent de 23h30 pour New York. Moi, je qualifierais ça d'une sorte de d'ardisson peut-être, de rookie. Vous voyez Vendredi Tout est Permis. Bah, c'est beaucoup mieux, ça a quasiment rien à voir, mais c'est quasiment la même horaire. Quoi. Bref, c'est un talk show. Renseignez-vous en vrai si ça vous intéresse, si c'est votre. Peu importe. Donc là d'ailleurs, nous-mêmes là, on a préparé en préparant l'émission, on a fait un best-of de son meilleur passage. Ouais, je crois qu'on l'a là. Donc c'est voilà, c'est un best-of, hein, c'est un condensé, mais c'est un peu les meilleurs punchlines de ce mec. Voilà, c'était le meilleur moment de son intervention au Saturday Night Live. Mmh. Et donc, parce en que fait... malheureusement, on n'a pas les droits. Et qu'en fait, on n'a pas pu visionner les vidéos avant qu'ils fassent leur best-of event, donc on pourra pas vous les montrer. Et puis de toute façon, ça n'avait vraiment pas l'air très drôle. Je sais pas. Non, si moi, toi, tu as rigolé, en tout cas, ça lui sort. J'étais un petit œil, mais non. Et alors, tout le jeu était là où, en fait, en forçant, forceur, comme on dit par chez nous. On a l'exclamation forceur dans le chat. Non, je pense pas qu'il marche non plus. Mais... D'ailleurs, en parlant de forceur, il y aura peut-être la séquence cancel, pas cancel à la fin. À voir. Dites-nous dans le chat, hein, si vous voulez revoir les séquences que vous connaissez un peu, le courrier des boomers ou encore cancel, pas cancel, hein, tous les jeux qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne. Dites-nous si vous avez envie qu'on les fasse ou si justement c'est un peu trop, c'est peut-être pas. Je sais pas. Et donc en fait, excuse-moi, je te coupe, mais tout l'intérêt de cette participation à la télévision. L'ancêtre des médias, finalement. Et je parle, voilà. Enfin, entre nous, quand même. Il y a les journaux, quand même, avant. Ouais. On me dit dans l'audience qu'il y a les journaux. Oui, oui et non, mais les images bougeaient pas dans les journaux. Pas dans les postes. Alors. Donc, les dessins et tout, j'ai fait là-bas. C'est des vrais dessins. On va vous faire une analyse un peu, une analyse technique, un peu des cours. Pas si technique, peut-être pas avec cette. Oula. Mais on va vous faire. Vous avez vu, on a préparé des analyses techniques. Personnellement, moi je suis assez fier de moi, même si j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent ce soir-là. J'avais prédit, en tout cas, à peu près, que ça montait là, mais c'est. Je vois que l'audience est assez hilar. Je sais pas trop quoi en penser quant à mes. Voilà, quant à ma crédibilité en tant que. Qu'investisseur ubérisé, finalement. Parce que derrière tout ça, c'est quoi? C'est la capacité pour chaque individu d'investir
dans des produits boursiers, dans des produits boursiers décentralisés, donc comme la crypto-monnaie, c'est la même chose que pouvoir ouvrir son propre restaurant chez soi, ouvrir son propre service de livraison avec Uber. Je rappelle que la plupart des livreurs Uber, Deliveroo, etc., jusqu'à un certain temps, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, devaient ouvrir leur statut d'entrepreneur chez Smart. Alors que la moitié des étudiants en art sont, ou en art appliqué, hein, en graphisme, etc., sont incapables de produire une facture. Et ben, chaque Uber qui vient chez vous, vous avez vos petites gyoza tout dégueulasse décongelé, a son statut d'entrepreneur. Bref, en tout cas, on ubérise le marché de la finance et chacun devient son propre analyste technique, son propre boursicoteur finalement, de droite, de gauche. C'est un débat qu'on va avoir tout à l'heure, Nico et moi. Si dans le chat vous avez déjà des avis sur ça, est-ce que la crypto-monnaie, l'investissement boursier en général, la finance mondialisée ou pas est de droite, ou est-ce que c'est possible de tremper ses petits doigts de pied dans le grand bain de la bourse en restant avec des valeurs de gauche? C'est, je pense, une des questions qui animera le plus le débat de ce soir. D'émission. Là, ce qu'on voit donc sur ma prédiction, pardon, c'était focus pendant que moi j'étais pas sur ma prédiction, c'était que j'avais tracé des lignes un peu magiques par-ci par-là qui prédisaient que un de ces pics allait atteindre. Là, c'est cette ligne bleue en fait que vous voyez ici, que j'avais dessiné par des indicateurs donc des chandelles qui étaient certainement pas basées sur 2 heures, parce que c'est très rare que je fasse du 2 heures, plutôt sur du 1 heure, bref, on va pas revenir dans le temps, disait que la prédiction était que ça allait atteindre à peu près cette somme là et c'était exactement le cas. Ce qui était moins prévu, c'est que les gens allaient avoir ce qu'on appelle dans le jargon des mains de papier, des paper hands, qu'ils allaient à l'instant même, dans la seconde juste avant le lancement du live d'Elon Musk dont on vous a montré les images tout à l'heure, hein, vous rappelez le best-of, à l'instant même, dans la seconde avant que ça parte, ont revendu tout leur stock. Des gens qui avaient plus ou moins d'argent. On peut revenir dans le temps avec ces charts, avec ces graphiques. C'était dans la nuit du 8 au 9 mai, vous voyez cette énorme chandelle rouge sur laquelle, je vais peut-être zoomer un petit peu. C'était dans la chandelle rouge, voilà, il y a eu... Oh. Bah. À ce moment-là, il y a eu vraiment un montant de vente assez incroyable et qui a fait chuter le cours du Dogecoin de 65 centimes à près de 53 centimes à la fermeture, donc à minuit, donc c'est vraiment pas une fermeture, mais jusqu'à 50 centimes quasiment, hein, 51 centimes. Alors que le rêve à ce moment-là, c'était la road to the moon, road to 1 dollar. 1 dollar. 1 dollar. 1 le chiffre 1. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, Nico ? Je pense que tout est dit là-dessus. Par contre, je pense que du coup, Elon Musk, donc tu peux peut-être montrer la petite photo d'Elon, excuse-moi, j'y reviens, mais bon. Bien sûr. Voilà. Elon Musk, donc en fait. Je ne sais pas en fait finalement avec un peu de recul si c'était peut-être pas préparé, si c'était juste une blague de plus, que sais-je. Mais en tout cas, sa crédibilité en a pris un coup. Ça pourrait même être lui finalement qui, juste avant de passer sur son live, en sachant qu'il allait mettre en avant cette monnaie-là, qui est une monnaie, on n'en a pas parlé, mais qui n'a vraiment aucun intérêt technique, qui est simplement une blague qui était censée à l'époque de sa création vraiment... se moquer de la création de différents types de monnaies alternatives au Bitcoin. Exact. Donc peut-être que, avant même de passer sur le plateau, parce que ces échanges financiers, ces placements d'ordre, etc., se font depuis les téléphones, peut-être qu'il a tout simplement décidé de tout vendre, et que c'est un gros vendeur et qu'il a fait chuter le prix lui tout seul. Mais il y a aussi ce truc qui met moi un peu la puce à l'oreille, c'est qu'il a continué à tweeter après ça sur la valeur potentielle du Doge. Là, il a fait un sondage aujourd'hui sur son Twitter. Seriez-vous intéressé pour acheter des Tesla en Dodge? Bon, j'avoue, c'est un peu... Voilà. Le serpent qui se mord la queue, encore. Comme on le voyait juste à l'instant, que le Dodge est en ce moment à 50 centimes à peu près près. C'est dommage, hein, c'est vraiment... On voit... C'est triste, hein, ce qui se passe, mais... soi-disant, selon d'autres analystes, on aura atteint un seul palier d'à peu près 46-50 centimes qu'on ne devrait plus dépasser par en dessous, ce qu'on appelle une résistance, hein, pour ceux qui connaissent. Et donc, normalement, on ne devrait pas descendre en dessous. Mais en même temps, on ne devait pas descendre en dessous encore avant. Donc, bon, pour moi, après, je suis une balance ascendant vierge. Donc, je sais pas.
je sais pas trop comment interpréter ces signes, ces chiffres. Et donc en fait, il est né il y a quelques jours maintenant sur Twitter, un fameux sondage qu'on va analyser, une image qu'on a enregistrée en préparant l'émission, sur la fanbase la plus claquée d'Internet. Donc c'est tout bête, c'est un bracket comme on dit, un tableau où des gens, des influenceurs, des séries, quelconque mouvement qui pourrait regrouper un groupe de fans était mis en concurrence pour savoir qui était la pire fanbase d'Internet. Alors. Donc on peut partir. Bon voilà, ça parle de lui-même, hein. Il y a la photo. Bah ça c'est le petit frère du coup du gars qu'on vous a montré avant. C'est Elon Musk, voilà. Elon Musk. Alors ça partait de tout, hein. Donc c'est. On parle aussi bien de fanbase de séries, hein. On voit. Du Game of Thrones évidemment, du Marvel, du The Office. Hein. Il y a l'EDM aussi hein, dans le lot. L'EDM en général. Mais il faut voir que c'est les fanbases les plus énervantes. Hein. On voit qu'il y a PewDiePie en haut qui fait une belle percée, qui se combat ensuite avec Joe Rogan. Hein, Joe Rogan qui lui-même avait invité Elon Musk. Donc des gens assez énervants. C'est surtout leur fanbase hein, qui les rend énervants. On a du Tarantino aussi. Qui s'immisce pour les gens qui s'imaginent être un peu spécialiste dupé, de cinéma et un peu dupé par son voilà son côté spectacle quoi. Film d'auteur mainstream, je sais pas quoi dire. Après moi il y a on va dire ce que j'aime le moins je pense c'est les fans de Rick et Morty. C'est pour ça qu'ils sont arrivés en finale. C'est des gens qui pensent vraiment être supérieurs aux autres parce qu'ils ont compris le nihilisme intrinsèque à Rick and Morty qui dans Rick and Morty est backé par la science, c'est-à-dire est soutenu par le fait qu'il est multivers et que bah, de toute façon on n'a rien à foutre. Les fameuses hypothèses. Et on fait que boire et on vomit. L'empirisme du développement scientifique finalement. Et on va parler des libertariens. Tout à l'heure, pour moi, c'est un peu un gateway, hein, une qui peut escalader jusqu'au libertarianisme, jusqu'à même l'achat de Bitcoin et autres dingueries, autres choses un peu étonnantes qu'on parlera tout à l'heure. Il y a la fanbase de Woody Allen, bon. Cancel, pas cancel, ça arrive en fin d'émission. Cancel, pas cancel, Woody Allen, bon, voilà, on n'est pas non plus ici pour dicter l'opinion publique, mais nous c'est pas des sujets qui nous intéressent spécialement. Hein, bon, et puis en France, c'est pas comme si on n'avait pas géré déjà avec des réalisateurs surcancellables. Je pense que voilà, on peut s'arrêter. Supernatural, moi personnellement, je connais peu. Moi, je sais en tout cas que Big Bang Theory est très énervant et que la fanbase peut être aussi, c'est un peu des proto Rick and Morty d'une certaine manière pour moi, parce qu'il y a ce côté science, etc. Et puis un peu malin, génie. Bref, et donc on finit sur Elon Musk et combat Elon Musk Rick and Morty. On est en 2018, hein. Donc là 2021, Elon Musk il est capable d'envoyer des fusées dans l'espace, il fait n'importe quoi. Il a, je crois que c'est lui qui a inventé les numéros des rues pair et impair de l'autre côté. C'est quand même un mec incroyable. Et je sais pas, enfin, en fait, ce mec aussi le dimanche, il a une armure rouge bizarre qui lui permet de voler. Et il va pêcher. Exactement. Par exemple. Exactement. Je crois question dans le chat. Ouais. Oui. Ah, il n'y a pas Polanski. Non, alors oui, non. Nous, on est des grands navigateurs du web et on a tendance à parfois se détérioriser et sortir de nos nations. Et du coup, évidemment, le graphique qu'on vous montre est un graphique totalement internet-centré, américano-centré. Dedans, pas de Camelot, pas de. La fanbase de. En France, les fanbases de toutes les réalités sont assez chiantes. Mes voisins d'abord. Pas de Sardoche. Pas la fanbase de Sardoche. Pas. Voilà. Je pense que. Voilà. Sinon, si dans le chat vous avez envie que nous-mêmes on produise un schéma similaire, mais sur des occupations françaises, ça peut être très intéressant par contre. Ça, n'hésitez pas d'ailleurs à nous donner des noms. Mais en même temps, voilà, par rapport à la question du chat, la fanbase de Polanski. C'est même pas que c'est des boomers, mais c'est que c'est des gens qui. Bon, je pense pas qu'à l'EHPAD on leur donne la connexion internet pour pouvoir être des boomers sur WhatsApp ou Face. C'est ça le problème, c'est que c'est des gens qui arrivent à le mettre en avant Polanski, mais d'une manière assez discrète quand même. Tu vois, c'est pas. Il n'y a pas des t-shirts Polanski. D'ailleurs, pour la. Enfin, un petit. Polanski n'est pas sur TikTok. Petit interlude, mais pour la team WhatsApp qui nous écoute. Les gars, pas besoin de partager des mêmes foireux dans les groupes de famille, c'est bon. On les a vus, on les a revus, c'est bon. Merci. Ça, c'est pour la team WhatsApp. C'est juste un disclaimer. Mais il fallait le faire, je crois, t'as raison. C'est important, ouais.
Donc on va enchaîner. Du temps avec ça. Alors, peut-être parler un peu du cargo. Marty, on va enchaîner, ouais. Alors. Dis-nous. Là, on part dans une thématique qui nous tient à cœur tous les deux. C'est une histoire, il y a une image non contractuelle. Enfin, pareil, on n'a pas eu les droits de montrer la vraie image, mais normalement, on a préparé une image qui va popper soon, comme on dit. Ouais, attention. Donc, c'est cette histoire qui nous a touché il y a quelques semaines d'un cargo. Un cargo porte-conteneur. Qui a bloqué le canal de Suez. Donc on peut mettre en full. On peut mettre un petit focus parce que on va voir une vidéo ensuite aussi, une vidéo d'analyse qu'on va analyser nous-mêmes, on va faire une petite réaction, je crois. J'espère que t'as noté les timelines d'ailleurs, Nico. Parce que... Mais donc en fait, c'est un bateau similaire à celui-ci, peut-être un peu plus grand, qui a bloqué le canal de Suez. Qui était ici bloqué pendant quand même des jours, enfin je me souviens plus vraiment de la timeline, mais ouais, quand même quelques jours. Le temps a l'impression de passer tellement vite lorsqu'on regarde exclusivement BFM, parce que tout est rabâché tellement de fois que... Et en fait, finalement, ça a figé l'économie mondiale pendant un certain temps. Et bon, vous nous connaissez, on est nature curieuse, on s'est aussi baladé sur des... On vous parlait des Ready Plays tout à l'heure, mais on s'est baladé sur des petits forums, ensemble. Ensemble, sur ce coup-là. Et donc il y a des... C'est même pas des forums, c'est des communautés privées, disons. On peut le dire, hein, c'est des groupes privés, des groupes à l'instar de ce que vous connaissez, vous les gamers des Discord et autres serveurs. Justement, là, voilà, il existe des Discord et des Telegram conspirationnistes et... Enfin, bon, le mot est lâché donc, peut-être un peu vite. Ouais, le mot est lâché, donc on est arrivé sur un petit forum de conspirationnistes. Américano-centré. Ouais, alors, sur le chat, qu'est-ce qu'on nous demande? Pour tous ceux, j'allais justement parler parce que je crois que toi, Nico, tu avais commandé quelque chose, justement, c'était... Alors, j'ai une histoire très précise sur pourquoi il n'y a pas de PS5. D'accord. Et peut-être commence et moi je peux te dire la... Non, mais je croyais que tu avais commandé des nouvelles LED RGB pour ta tour de gaming qui était justement pas arrivée à cause de ce problème de transit-là, qui était peut-être dans le conteneur du cargo lui-même ou dans les cargos bloqués derrière, hein, parce qu'en fait, ça créait juste un embouteillage, c'est pour ça que... Ça a été si dramatique, hein. Heureusement. Imaginez-vous si on avait un système comme des crypto-mots, comme des blockchains ou quoi, pour s'échanger des biens de type jeux vidéo ou les RGB sans passer par des canards. Exactement. J'arrête de faire ma petite. Donc c'est là finalement où. Ça peut jouer en tout cas. L'événement et la nature, la temporalité rattrapent tout ce qui se passe sur le web, donc voilà comment marche Amazon. Les PS5, si malheureusement, c'est pas aussi simple à expliquer qu'un simple. Donc moi j'ai une histoire, c'est un peu long, si vous voulez, je vous la raconte, mais c'est un peu long. Mais donc finalement je voulais la faire très courte, mais il s'avère que dans les PS5 il y a des petites puces électroniques qui sont fabriquées avec un matériau qui est exclusivement trouvé à Taïwan. Et à Taïwan c'est les plus grands fabricateurs de cette puce, j'ai oublié le nom, on me l'a dit dans l'oreillette avant l'émission mais je l'ai oublié j'avoue. Ces puces électroniques étaient en rupture de stock. Et donc, en fait, c'est les mêmes puces électroniques qui servent aux Apple Watch, à tous vos objets connectés préférés. On parle là même des Tamagotchi à l'ancienne, ou même de vos balances connectées. Vos balances connectées, vos iFit, WiFit, pardon, votre Apple Watch, etc. Et donc, il s'avère, l'histoire est drôle. Donc, avec le Covid, les gens ne pouvaient plus travailler et ne pouvaient plus miner. Quand je dis les gens, c'est sûrement des enfants, hein, on se le cache pas. Ne pouvaient plus miner cette denrée rare, ce minerai. Et finalement, les listes d'attente se sont énormément agrandies. Et donc tous ceux qui avaient l'habitude de commander des puces, ont fait des commandes de chiffres incroyables, des x10, des x30, pour justement essayer de pallier le retard et pouvoir eux-mêmes fournir leurs acheteurs, avoir leur stock. Et en fait... Pour miner cette pierre, c'est des machines très 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 spécifiques qui sont fabriquées en Hollande. L'histoire est vraie, le chat, vous me croyez pas, l'histoire est vraie. En Hollande. Hollande. Et on parle pas de... Non, ok, la Hollande. Et donc finalement, eux aussi ont été touchés par le Covid. Bon, d'ailleurs, pour petite info, là on ne porte pas le masque ce soir, mais on a été vaccinés. Voilà. Et de toute façon, on respecte les distances de sécurité, attends, évidemment. Un mètre de sécurité, deux mètres. Tu filmes ça.
Donc on me donne dans le... On me donne dans la régie, voilà, c'est le certif. C'était le 12 mars 2021. Bon après voilà, les infos sont confidentielles, mais je vous assure qu'on est... On est pas de doxing hein, mais on a confiance en notre communauté. Pareil, quand on vous parle de gens comme ça, qui ont fait des choses un peu étranges, comme Elon Musk ou autre, ne commencez pas à essayer de les harceler ou quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas envie que notre communauté commence à arriver comme ça, à faire ce cyberharcèlement en masse contre des gens, oui, d'ailleurs, des petits comptes comme ça qui ont rien demandé, comme Elon Musk ou quoi. Enfin, si dans le chat, pas... un peu de respect. Pas enfin, de haine sur les upstreamers dans le chat. Hein. Genre vraiment, sinon ça c'est ban. C'est ban life. Ça c'est ban automatique. Hein. Bref. Bon, on va enchaîner. Il est temps. Mais en tout cas, selon les quelques articles que je lisais pendant l'application de Nico, cette pénurie de puces pourrait durer jusqu'à 2023 et elle affecte des marques comme Apple, Sony, Samsung, mais aussi Jaguar, Epson, Ford. Bref, Quanti, comme on dit. Le collapse n'est pas loin. Le collapse n'est pas loin. Le cargo, donc. La preuve, encore, bon. C'est pas aussi, apparemment, ça n'a pas fait autant de dégâts qu'un pangolin ou qu'une chauve-souris. Mais ça a fait son. Voilà. Hey c'est pas mal. Ça a fait ses petits titres internationalement, tranquille. Ça a retardé ces petits problèmes avec des graphiques et tout, on comprenait rien. Donc Marty et moi, en préparant l'émission, on est tombé sur une youtubeuse assez quand même intéressée et très intéressante qui s'appelle Gina Maria Colvin Hill, à 80,2k abonnés. Sur retenez bien ce chiffre hein. Et qui a fait une vidéo qu'on va vous montrer maintenant à l'écran. Ouais, alors excusez encore une fois hein, la lenteur technique, on fait avec les moyens du bord, donc on est sur des architectures open source avec des navigateurs open source avec voilà les problèmes que ça peut engendrer, les petits lags et tout, mais ça fait partie je pense aussi, enfin je sais pas Nico ce que tu me diras, mais du charme de life hein, là on est super slow. Super naturel, c'est comme si on discutait avec vous le chat, c'est quoi. À la fois high tech mais c'est aussi slow tech effectivement, il faut savoir prendre le temps. Donc je vous fais court, il faut quand même une introduction à cette vidéo. Donc les portails sont ouverts. Alors, la théorie de cette femme, c'est que le canal de Suez a été bloqué par l'OMS. Parce que finalement, le CERN, donc le... pour ceux qui ne connaissent pas le CERN, cet anneau à particules entre la Suisse et la France, aurait déréglé finalement un... aurait déréglé un dérèglement, excusez-moi. Mais aurait ouvert des portails... juste derrière le canal de Suez. Et finalement, ce porte-conteneur s'est mis en travers pour protéger les humains de l'invasion extraterrestre. Et ça a l'air assez fou, mais je vous le dis, je vous le confirme. Là, on a un extra à vous montrer, avec des captures vidéo en temps direct de la NASA. Alors, on pourra l'entendre parler hein, un petit peu, peut-être, si tu veux. Stargate Portal. In the Gulf of Aden. One of the busiest waterways in the world between Yemen in the Arabian Peninsula and Somalia in the Horn of Africa. Now I have heard that. Let's look at this, you all, because this is real. An actual stargate is just opened up in the sea, and you know you can look this up. Look at that. What is happening in the Gulf of Aden? It says, now all makes sense with our knowledge of UFOs and the opening of a stargate in the Gulf. Donc ça, on peut couper le son, mais je vais vous le traduire en temps direct. Donc, cette femme fait un lien entre ces vidéos en temps direct données par la NASA, qui est quand même... Donc, cette femme est américaine. La NASA, qui est quand même une grande parole respectée aux États-Unis, et voilà, tout le monde les croit, ils font toujours... on a parlé de To The Moon. Tout le monde, ça dépend. Ouais, ça dépend. Et donc là, si on peut faire play, on voit que finalement, elle compare des moments avec la rotation de la Terre. Et j'ai une théorie, hein, moi aussi, on est à l'heure des théories. Voilà, elle clique. Et elle fait voyager cette petite Terre. Et vous voyez, en fait, elle nous montre qu'il y a des écarts de température, des espèces de trous.
et notamment une tache lumineuse au milieu de votre écran. Voilà, elle la montre, la tache lumineuse. Et alors elle fait un lien en pensant en fait que cette force se déplace en même temps que la rotation de la Terre. Donc tu peux faire play Martin pour montrer. Ouais ouais. Voilà. Donc sa théorie finalement, c'est que le portail se déplace à une vitesse fabuleuse dans le monde entier. Eh, ça fait réfléchir, hein. Ça fait effectivement réfléchir, Nicolas, tu as bien raison. Et donc là, en fait, on peut vous parler aussi de comment le complot finalement se monte. Cette dame analyse des images. De ces images, elle trouve des articles Wikipédia. D'ailleurs, point d'exclamation wiki dans le chat. Ouais, n'oubliez pas, hein, et surtout le lien. Et donc Wikipédia, voilà, sert à tout le monde, on vous le rappelle. Et donc là, elle crée des liens entre des forces extraterrestres, un laboratoire au CERN qui est réouvert des portails. Il y a un petit côté Jésus-Christ aussi. Bon, ça, je vais pas vous spoiler à la fin de la vidéo, mais de toute façon, c'est dans les commentaires. Mais voilà, c'est aussi cette construction du savoir, cette construction de la connaissance, comment on peut établir des théories avec des liens. Finalement, on sait très bien, Martin et moi, que quand on se balade sur une page Wikipédia, on peut cliquer sur n'importe quel lien, un lien actif, comme notre link in bio d'ailleurs, juste pour pas faire de pub. We are not alone, exactement. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter d'ailleurs. Et finalement, de lien en lien, on peut créer nous-mêmes notre cheminement et nous-mêmes nos théories. C'est exactement ce que cette femme a fait. Et j'ai une théorie, Martin, juste pour terminer. Dis-nous. Donc là, on va aborder après comment on construit une idée comme ça. Et tu peux juste revenir, s'il te plaît, sur la photo de la Terre qui tourne. Bien sûr, bien sûr. Il y a le chat aussi qui... Je vois qu'il y a pas mal de JL en majuscule dans le chat. Peut-être un petit shout-out à la communauté Jobless. JL Thèse, ok. Bah ouais, JL ça me parle, t'inquiète pas. Nous aussi, on trouve ça très drôle. Mercure est en rétrograde, je crois. Exactement, je veux y venir. Mais comme tu dis, l'émission, on dirait un exposé pas préparé, c'est tellement drôle. Et c'est exactement ça, c'est un exposé. Voilà, on vous parle un peu de ce qui nous a animé récemment, comme on peut. Mais je pense qu'il y a des choses à prendre. Et donc voilà, merci juste pour... JL. Moi aussi, hein, je peux faire des liens, je peux faire des théories. La vidéo qu'elle nous montre, avec les taches lumineuses au milieu, sans trop spoiler dans l'audience, mais je pense que c'est tout simplement le reflet du soleil. Donc on va enchaîner. Merci. Mais ouais, c'est une personne incroyable, vous pouvez aller la suivre, pareil. Hein, follow d'ailleurs, ouais, follow. Ben, on va après l'émission, on la host sur notre Twitch, donc pour les abos, restez connectés, aussi, restez. Elle fait des lives. Ouais. Quelqu'un d'assez intéressant, mais qui pense aux esprits... qui a vraiment une vision vraiment paranormale et 9000 vues, ça reste une petite chaîne, hein. Mais c'est pas la seule, et donc c'est des propos qui gardent une audience. On est parti dans les espèces de complot, on peut peut-être revenir dans un côté plus local et parler de ce qui nous touche ici en Europe, en France, en Belgique. On a vu tout à l'heure pendant l'entracte une vidéo de la manifestation au Bois de la Cambre assez récente. On a un petit son, ça va pas être une vraie interlude parce qu'on peut discuter par-dessus. Mais on a un son qui arrive. Bon, excusez-moi pour la pub, mais c'est une vidéo de l'Obs, hein, mais... Et je vous connais, hein, je sais que la commu index, voilà, elle peut être taquine, hein, bah c'est aussi ce qui fait un peu la patte de la maison, je sais, mais je vous le rappelle, je sais que j'ai dit il n'y a pas longtemps, mais ne commencez pas à découvrir les commentaires de ces personnes, les ravager dislikes, non, laissez-les dans leur coin, les ravager dislikes, en fait, ça va leur faire croire que leur propos est vraiment subversif, menacé, ils vont se déplacer sur d'autres plateformes, ça va, enfin, c'est bon, ça va, mais voilà. Connaissez la suite. Alors je sais pas, l'algorithme qui nous propose Pink juste après. Peut-être qu'on part sur. Peut-être à cause de la coiffe, je sais pas. Je ne crois pas. Peut-être le son, mais...
t'ai envoyé une vidéo sur le site. Ok. Donc là, c'est la petite pause musicale, c'est ça? Et après, on enchaîne. Juste on introduit la prochaine piste. Le deuxième ou le premier? Deuxième? Ouais, deuxième. On zappe le premier, tant pis. Non, c'est mieux. Il faut ouvrir. Ok, ouais, je vais faire. C'est un peu la même. Donc, on va faire une petite interlude musicale, le temps de reprendre nos forces, reprendre nos esprits, pareil, hein, le chat. voilà, c'est d'actualité. Nous, on se positionne pas, hein. Mais. Oh là là. On est sur du Arch Linux. Ouais, on est sur. Arch Linux, by the way. Et. Bref. On va faire autrement, mais on va réussir. C'est des aléas de direct, vous les connaissez, mais c'est pas grave. Restez là pour un petit interview. Et bien sûr, avec la version chop and screwed à la Martin, c'est-à-dire avec la carte son toute claquée. Voilà. Si vous voulez couper le son du live et aller voir la même vidéo chez vous, n'hésitez pas. On va optimiser le CPU pour que ça passe. Hein, on ferme tout. On garde quand même un petit gif de Joule au cas où. Ça peut pas faire de mal. Et on va s'écouter la LAN qui chante Gilet jaune sur un rond. Au soleil d'un gilet jaune, chante en fleur avec les gens. Marche et n'aie pas peur. Petit roi sur son trône, il finira pas dedans. C'est dur de marcher sans espoir dedans sa tête, sans avoir les moyens d'avancer, sans pouvoir toucher, de quoi vivre et faire la fête, et de voir le temps se casser. Gilet jaune, ne baisse pas la garde. Gilet jaune,
Ah, stop, ne viens pas comme ça. Mets ton masque, oh, mets du gel, oh. Si tu veux rentrer pour acheter, faudra être bien désinfecté. Stop, ne viens pas comme ça. Mets ton masque, oh. Un, deux, un, deux. Et hello, on est de retour après cette petite pause. Hein. On espère que ça vous a plu. Merci, Mireille JL. Et c'est, je crois, le moment de faire une dédicace à la team JL, la team Jobless. Hein. Nous aussi, on est team Jobless. On va aller d'ailleurs vérifier qu'on touche toujours la CAF, qu'on touche toujours le RSA en direct live. On va essayer de pas se faire doxer. Hein. C'est pas tout de suite. Je vais où, tu me dis. Pour l'instant, c'est bon. C'est là, tu mets par-dessus les chiffres. Par-dessus les chiffres, ouais. Bouge pas. Non, les autres. Non, tous. Surtout, ouais. Mais. Voilà. Ah, mais attends, mais maintenant je peux plus voir. Attends, mais c'est pas vrai. Enlève la case 2 secondes. Ok. C'était sûr? Ouais, 2 secondes. Ok, la team JL, on vous voit, merci pour les émotes. Hein. On rappelle qu'on est sous Arc Linux et que du coup, mets la case. On est en split screen et pas en double screen. C'est Merlazina, comme on dit. On fait avec les efforts du bord, hein, mais. J'espère que ça va passer. Et tu peux enlever la case. Ah, tu es sûr? Tu peux enlever la case. Non, tu peux me faire doxer tout le temps. Voilà. Les 97 euros. Allez, c'est moi. On pense à tous les centimes. Alors pour la petite histoire, combien vont aller dans le Dodge? Allez, bienvenue, mais ouais, on est aussi Team Jobless. De quoi tu voulais parler, Nico? Cette sincérité. La transparence, c'est le futur. Ouais. Donc là, on a une. Bon, là, c'est bientôt la fin de l'émission. Excusez-nous pour les déçus. Ah oui. On va. En fait, on avait des petites séquences préparées. Malgré ce qu'on peut croire, mais c'est quand même préparé. Notamment une qui s'appelle le courrier du Boomiz. Donc, le courrier du Boomiz, c'est quoi? Comme son nom l'indique, bah, c'est. Ce qu'on a un peu pu voir dans les médias ou même personnellement, ce qu'on a pu recevoir comme gros courrier de boomer qui nous a un peu choqué. On va commencer par le premier. Malheureusement, on n'a pas les images parce qu'on n'a pas été assez malin pour le screenshoter. Mais on peut rappeler peut-être le contexte rapidement. Je pense l'avoir, Martin. Tu peux peut-être introduire la chose et je te pense avoir l'image. Je pense avoir. Ouais. Tu parles de quoi? Peut-être un petit coup de téléphone. Bah, de. Un petit coup. Le film Colchot, je l'ai. Non. De Google. Celle-là, je l'ai pas.
En fait, c'est l'histoire de Josiane, si ma mémoire ne fait pas défaut. Sur un groupe qui s'appelle les Décodeurs, donc un groupe Telegram destiné à débunker les infos, mais pas débunker dans le sens débunker les conspirationnistes, mais plutôt débunker les infos de base en produisant justement des discours assez étonnants parfois. Ça parlait, si je me souviens bien, Nico, tu me coupes hein, si je me trompe, ça parlait à ce moment-là de QR code sur des photos de Ivanka Trump qui venait de se faire vacciner. Oui, donc Ivanka Trump raconte via un tweet qu'elle vient de prendre le shot, donc... Prenez le... Enfin, peut-être comme vous voulez, mais pensez aux autres, en tout cas. Donc le shot qui est, à ses yeux, je pense, l'injection du vaccin. Mais bon, voilà, une certaine communauté ne croit pas à ça, sachant que c'est quand même la fille de Donald J. Trump qui est anti-vaccin et qui a vaincu le Covid tout seul. Il s'avère que les gens ne la croient pas sincère. Bon, l'histoire est quand même assez marrante. En zoomant sur le QR code de la feuille, les gens ont analysé le QR code et en fait, il s'avère que ça renvoie directement sur leur forum préféré. Bien sûr, je suis en train de vous trouver l'image. Hein. Ça va, ça arrive. Hop. Merci le J d'ailleurs, dédicace à lui d'être quand même là toujours pour soutenir, donner un peu de rythme parfois à notre propos. C'est une émission que vous pouvez aussi écouter sous podcast. Hein. On essaie quand même de parfois imager un peu nos propos. Et la rediff sera sur YouTube dans tous les cas. Rediff sur YouTube, bien sûr, vous retrouvez le lien dans la description. Mais n'hésitez pas voilà la fameuse image. Today I got the shot. I hope that you do too. Thank you, Nurse Thomas. Ok. Donc là, en fait, en analysant de plus proche le QR code, il s'avère. On peut peut-être essayer de le. Ah non. Tu peux pas en direct. C'est toujours le genre de truc qui foire. Mais. Tu veux tester comment comme ça De toute façon, si on teste avec un téléphone, on n'aura pas le résultat direct. En tout cas, la théorie, c'est que ce QR code lié à quoi? Apecon, c'est ça, hein? Exactement, en fait, ce QR code ramené à la page Apecon sur le forum. En fait, c'est le forum pour les initiés qui utilisent les QAnon majoritairement pour discuter. Les QAnon, d'ailleurs, du coup, je pense qu'on fera pas un épisode spécial, mais on en parlera un peu plus en détail dans un épisode. Alors, prochaine connerie de type Capitole ou quoi, je pense. Enfin. Je sens que logiquement ça devrait pas. Voilà, il y aura une connerie. Et le Capitole, on parle pas de la place du village de Toulouse. Hein. Shout out à mes Toulousains. Ça veut brouiller les pistes, hein, alors qu'on a bien vu que je touchais la cave depuis le 13100. Et donc, je me serais pas permis de faire ça si je n'étais pas actuellement sur le territoire français. qui commémore actuellement le bicentenaire de la mort de. La naissance de Napoléon. Pour ceux qui n'ont pas BFM. Donc, pourquoi le courrier des Boomies? C'est même pas cette histoire qui nous intéresse parce qu'au final, évidemment, cette histoire est un poil. Les gens trouvent le QR code, le scan, on arrive sur 8Cone, ce qui est un clone de 8chan, qui est lui-même un clone de 4chan. Ah, je vous laisse, c'est documenté à poison par tous les historiens et les archéologues des médias. Ce qui est intéressant, c'est juste ce commentaire de Josiane en pleine panique où les gens découvrent. Ce QR code, Josiane nous dit révélation. C'est dommage qu'on n'ait pas l'image parce que c'est. On aurait pu fabriquer d'ailleurs la fausse image parce que ça aurait plus de sens à nos propos, je pense. Mais elle nous dit quoi? Elle nous dit j'ai voulu télécharger DuckDuckGo comme alternative à Google. Mais il se trouve que c'est un add-on pour Google Chrome. Donc, au final, DuckDuckGo égale Google. C'était la première lettre reçue sur nos courriers des Boomies. Malheureusement, elle est mal illustrée. Il y en a une deuxième, que tout le monde a vue, mais qu'on va re-regarder ensemble, parce que, après tout... Attends, Martin, je t'envoie un truc pour changer la bande-son. N'hésite pas à m'envoyer des trucs pour changer la bande-son, dans le chat aussi. Hein. N'hésite pas. Alain Finkel, Olivier Duhamel, a une face à Pascal Pro.
Par contre, c'est vraiment boomer alert. C'est pour ça qu'on s'est permis de le mettre dans le creux des boomies, parce que ça a pas spécialement attrait à la technologie ou quoi. Quoique, au final, voilà, c'est quand même à la télé, tu vois. Ça reste. Au niveau de technologie, ça se pose comme ça. C'est pas deux clampins avec leur ordinateur, avec leur TikTok branché à Fortnite, je sais pas quoi. Non, 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 c'est la télé. Et niveau boomer, ça se pose comme ça. Parce que, bon, Finkielkraut, on connaît. C'est un gros réac. Je connais pas son rapport précis à la technologie, mais je pense que ça serait assez intéressant à étudier. Mais je présume, hein, sans faire de jugement trop hâtif, que c'est vraiment le type de personne qui prend une souris, qui la fait naviguer sur l'écran pour vraiment se pointer et se diriger. Et que il doit avoir vraiment une. Après, je sais pas, il y a peut-être Twitter, en fait, j'ai même pas regardé. Bref. Excuse-moi, je te coupe, mais je vois un peu. On va pas se tout cramer, on va regarder ce petit moment parce que. On va en discuter. Je sais pas, t'as peut-être quelque chose à ajouter avant qu'on passe l'extrait. Non, on passe l'extrait. Est-ce qu'on peut couper le micro pendant l'extrait? Olivier Duhamel a une relation avec son beau-fils, qui est un jeune adolescent, et c'est criminel, c'est pas horrible. C'est donc, il n'y a pas de place. Donc, pourquoi cherche-t-il à nuancer? Ah, vous allez voir. C'est ça ma question. Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là? Ah ben ça a commencé? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Alors... Micro. C'est bon. Donc voilà un petit extrait qui a fait parler sur la toile. Bon, on va pas revenir sur... En fait, oui, on s'est rendu compte en le passant que l'histoire était quand même malaisante de base et juste on voulait cette réaction un peu inopinée. Malaisante, voilà, moi naïvement j'ai d'abord cru à quelqu'un de vraiment vieux qui fait pas spécialement attention, c'est comme nous, voilà, on commence, ça fait quoi, ça va faire bientôt une petite heure et demie ou quelque chose comme ça, 2h54 qu'on est en live, hein, sur les 45 minutes de prévu dans le titre de l'épisode, voilà, mais ça fait 2 heures qu'on est en live, mais 2 heures avant on était déjà assis là et on aurait déjà pu en avoir live, en tout cas. Pareil et j'aurais très bien pu voir Nico qui me dit mais on est en live, voilà. Non, moi c'est le côté naïf où je me dis, moi je joue plutôt la vieillesse, où je sers plutôt sur le côté foirage. Mais quand on remet dans le contexte de la question, peut-être qu'on peut nuancer ce propos. Toi, pour toi, c'est plutôt une stratégie de stratégie d'évitement. Alors voilà, il y a deux camps. Moi, je pense que c'est quand même la stratégie de l'évitement, sachant peut-être qu'il n'a pas envie de s'exprimer sur voilà cette affaire médiatique, ou alors peut-être qu'il est proche grave, hein. De Monsieur Duhamel, ainsi cité, que sais-je. En tout cas, il préfère finalement se cramer lui-même que parler sur des gens. Et ça, c'est un collègue. Un collègue qui préfère cramer sa crédibilité médiatique pour vous défendre dans une histoire de pédophilie, là, c'est vraiment c'est le sang. Hein. Je pense, enfin, hein, je sais pas. J'espère qu'il y en a moins qui sont collègues, parce que s'ils sont pas collègues, c'est encore plus grave, je pense. Hein. Je pense aussi. Dites-nous ce que vous en pensez dans le chat. Nous, voilà. On cherche à nuancer les propos. En fait, on s'en fiche un peu aussi, hein, de base. Et. On n'a pas du tout envie de jeter l'huile sur le feu, etc. Mais pour nous, c'est quand même important les boomers, les réactions un peu naïves face à la technologie, face à... Enfin... Et avant tout ça, on est ensemble, c'est bientôt l'heure de la fin de l'émission, on vient de voir le chrono. Avant de passer le dernier son qui va enfin expliquer pourquoi on s'appelle le life, finalement. Parce que c'est un peu le running gag de l'émission. Parce que vous me dites le life, oui, non, oui, peut-être, ok. Comment, voilà, d'ailleurs, dites-nous dans le chat comment vous nous avez trouvé, hein, parce que ouais. J'avoue que la com était un peu bancale. Donc, racontez vos anecdotes, là, c'est la fin de l'émission. C'est Radio Libre, comme on dit. Ouais, voilà. Et juste avant ça, on a une petite dédicace à faire à quelqu'un qu'on aime bien. Voilà. Via la rubrique Cancel, pas Cancel. Via la rubrique Cancel, pas Cancel. C'est une rubrique que vous connaissez tous.
Vous y attendez forcément, hein, voilà, à la fin du live, on a toujours ceux qui follow connaissent de toute façon. Ceux qui follow connaissent, cancel pas cancel. Là, voilà, on a pas eu beaucoup d'imagination, on s'est dit plutôt que de chercher quelques personnalités. En ce moment, voilà, il y a Francis Lalanne qui s'est montré avec Florent Philippot, alors qu'il était dans un cosplay de steampunk. Bon, il y a des choses à parler, dit, mais bon, enfin, on n'a pas voulu se focaliser sur ça. On s'est plutôt dit, d'ailleurs, quand je vois cet écran tourné, je me pose la question, Nico, du fait qu'on n'ait pas parlé. Mais bon, en même temps, c'est peut-être parce que c'est indicible, c'est compliqué à un sujet trop complexe pour qu'on l'aborde comme ça d'emblée. Investir dans les crypto-monnaies, de droite ou de gauche? Je sais pas, vous pouvez répondre dans le chat. Mais dites-nous dans le chat la vie. Je pense que c'est pas le moment. Enfin, il est tard pour maintenant discuter de ça. Ça a vraiment allonger le propos. Allonger le propos. C'est la question. Allonger avec un E, ouais. C'est la question c'est la question coquine. C'est la question coquine. C'est la question coquine, effectivement. Point d'exclamation coquine dans le chat si vous voulez faire des prédictions avec vos points de chaîne. Parce que je pense que vous êtes sur live depuis 2 heures, depuis le début, même si c'est peut-être pas le premier live que vous regardez sur la chaîne. Donc vous avez peut-être des points de chaîne, on va faire des prédictions, vous allez pouvoir les parier. Et nous dire, bah cancel, pas cancel. Voilà, on n'a pas voulu choisir des gens qui fassent l'unanimité, mais on a voulu plutôt profiter de cette rubrique pour une fois, pour rendre un hommage. Alors, un hommage à qui? C'est plutôt par rapport à... Alors, on dit qu'il y a une question dans le chat. Vas-y, je t'en prie pendant que je fais ma tête. On est sur Skyrock, vous allez relive. Bon, alors, les gars, merci, hein, merci pour le soutien, mais une question après l'autre. En même temps, on regarde pas souvent. Peut-être qu'elle était vraiment après l'autre, j'imagine. On va relive, oui, ça c'est oui, clair et net. Oui. Abonnez-vous, d'ailleurs, franchement. On va vous teaser un truc un peu coquin. À la toute fin de l'émission. On follow le Twitter, on follow la chaîne. Les gars, on clique sur la cloche. Y a pas de soucis, les gars, bien sûr, on va relive, on est là pour ça. Et on est sur Skyrock, oui et non. Tu sais, JL Bruno, on aurait adoré être sur Skyrock, mais. Je crois qu'il y en a qui veulent pas encore. Sachant que Julien Butte est passé, lui, sur Sky. Voilà, donc pourquoi pas nous, ouais, au final. Donc, pardon, on reprend le chemin de l'émission, parce que c'est quand même un chemin super strict. Dernière question. Que se passe-t-il? Alors, on est sur la dernière rubrique d'une émission de 2 heures qui s'appelle le Life, présentée par Nico et Marty de Copyright.vip et de Nectar.world et de Craving for Revolution, qui est une émission présentée par Index, qui est elle-même présentée par Noa. Noa, c'est quoi? C'est une association qui s'occupe de promouvoir ou de s'interroger sur la question de la transdisciplinarité. Il y a notre wiki sur lequel est hébergé le script entier de cette émission, évidemment. Les VOD sont sur YouTube si vous avez raté le début. Et on porte pas de masque parce qu'on a été vacciné et qu'on respecte les distances de sécurité. Exactement. Et là, on en est à la rubrique. On peut le ban, hein, le yo-yo. On en est à la. On en est à la dernière rubrique, le cancel pas cancel. Et on va parler d'une personnalité locale, une personnalité aussi importante des arts numériques en Europe. Ça, c'est la bande son, ça. Ça, c'est la bande son sur les arts numériques. Ah ouais? On va parler de notre cher Yves Bernard. Alors, Yves Bernard. On dit qu'il y a la bande son, faut faire les choses bien. C'est la rubrique cancel pas cancel, et en plus, une fois n'est pas coutume, il y aura qu'un seul nom cette fois, donc bon, ça va être rapide de vote. Cancel pas cancel qui se base pas sur les opinions de chacun mais bel et bien sur un fait. On nous dit qu'au final
il y a une auto-cancellation de la direction. Et voilà, c'était simplement pour rendre hommage, pour parler de ce lieu, pour on espère que les prochains projets de Yves seront intéressants et que l'Imal continuera à garder l'avant-gardisme que tu peux avoir dans les arts numériques. C'est parfait, vive la Flandre, vive la Belgique. Voilà. Si vous avez des amis dans le chat, n'hésitez pas à répondre. Et si vous avez un CV qui correspond peut-être, n'hésitez pas à envoyer vos CV à l'Imal. Je pense que vous pouvez trouver toutes les informations adéquates sur leur site. Très beau site d'ailleurs. Donc, maintenant. Les trophées. Et voilà, c'est un petit hommage à quelqu'un sans qui on serait certainement pas là. On va terminer l'émission sur un immense remerciement à tous nos amis ici dans la régie, tous ceux qui nous soutiennent, merci les gars, franchement vous étiez au top. Tous les gars dans le chat qu'on connaît pas, mais qu'on va connaître, ça c'est certain. Et j'ai vu un petit cœur pop dans le chat il y a quelques minutes. Une grosse dédicace à Doderdou, DDD. Et pour ça on va vous passer le dernier son de l'émission. Un remix hébergé sur une plateforme libre, Gobelin Refuge. Et avec ça, j'ai une image que je viens de t'envoyer sur Signal qui va peut-être faire rire tout le monde. La team JL, on vous voit. Tu viens l'envoyer là ? Ouais, on vous voit la team JL. Oui, désolé, on était obligé de couvrir un peu des news locales aussi. Donc voilà, si des gens ne se sont pas concernés, c'est normal. On parle d'un culturel, on parle d'art numérique à Bruxelles. Voilà, c'est local, mais il faut leur en parler aussi. Et c'est une plateforme comme une autre qu'on parle. C'est envoyé. T'es sûr ? Ouais. C'est pas un gobelin refuge. On va se laisser sur un dernier son et on se retrouve. On va le dire, tu veux le dire avant de lancer le son ? Ah, le petit teasing ? Bah ouais. Pour nos Français, pour nos Parisiens, le 15 juin, on est en direct du CWB, un grand centre d'art international. Le centre Bruxelles, c'est ça, c'est en face du Pompidou, tout simplement. Et il y a un échafaudage, face. Comme à Pompidou, vous pouvez pas le louper. En face. Et on sera en direct pour vous raconter plein de blagues, donc n'hésitez pas à follow la chaîne. Et c'est une blague ou quoi? Non, c'est réel. Ah non, c'est sérieux. De toute façon, suivez-nous sur nos réseaux, continuez, vous verrez, on va teaser sur ça, on en parlera sur notre wiki, sur notre wiki. C'est sérieux, c'est vraiment sérieux, et ça va être produit d'une manière un peu différente, évidemment, ça ne sera pas le même Twitter, donc voilà, c'est pas sérieux d'étonner dans les commentaires. Mais ça sera une émission super intéressante, je suppose que on va parler un peu de un peu d'art contemporain, un peu d'institution, encore un peu de crypto-monnaie parce qu'il y aura encore de nouvelles conneries à dire dessus. Je suppose, hein. Un peu de subvention aussi, un peu de. Voilà. Peut-être un peu de subvention. Qu'est-ce que veut dire Saint-Aulin niveau 7 ce qu'on appelle le Est-ce que ça promouvoit la Belgique ou est-ce que ça promouvoit les Français en Belgique? À savoir. Bon, il faut se connecter à la prochaine émission pour tout connaître. Connectez pas la prochaine émission. Donc, si vous êtes sur Twitter, c'est le même nom que la chaîne Twitch. Donc, c'est Index avec un 1 et un 3 à la place du E avec 2 tirés après. Tout simplement, c'est tout simple. Voilà, c'est comme ce qu'il y a écrit là, mais en minuscule pour les qui sont des lettres et pas des chiffres. Et après, 2 tirés du bas. Tirés du 8, je crois que c'est là qu'on a fait des boîtes. Underscore, tirés du 9, enfin, bref, 2 tirés du bas. Ça c'est notre compte Twitter, suivez-le, on est plus ou moins kiff et on va vous laisser sur une chanson et on se retrouve certainement à Paris, au centre de Bruxelles, dans des horaires très similaires. Peut-être un peu moins tardif, un peu, ouais, un peu on verra. Et jusqu'à là, portez-vous bien. Portez-vous bien surtout, faites attention à vous, followez la chaîne, soutenez Wikipédia, lâchez votre sub, on est ensemble les gars et merci pour le soutien. Et shout out le X, hein, Simmer.
vois la lune, je tire une barre, les pleins phares de 80 sur le bitume. Je vois avec ma petite fille une petite balade. Avec ma petite fille une petite balade. Je vois les képis, je casse la salade. Les képis, je casse la salade. Tout ce que j'ai vu si tu savais. Tout ce que j'ai vu si tu savais. Mon tous dessus, je reste tout seul là. Tout seul, tout seul, tout seul là. Je fume de la frappe, c'est de la dibala. En dépit dans la voiture italienne. Quand j'ai 20, j'ai toujours pas là. Y'avait un bruit, je te vais détaler. Ce que ça se fait pas, juste pour du bala. Ça t'appelle pas, ça veut plus parler. C'est plein comme but, voilà l'étalage. Et ça, je vais pas au fond du palais. Me dis pas si, gros, me dis pas ça. J'suis dans le taxi sous Mexicana. Bébé me dit où tu vas, toi. J'suis jamais là. Bébé me dit s'il y a des nanas, tu restes là. Bébé, maintenant, va se torcher. J'suis pas là. And that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe.